Avec le filet. Ouais, non. Bon. Oh, et c'est voilà. Parti. C'est parti, Cryptix. Ouais, bon. Puis une belle cape. Pourquoi pas, une cape en début de partie. Mm-hmm. Ah, tu vois, Cryptix, va voir l'oncle. Ouais. Ben, c'est un des openings quand même classique. On va voir l'oncle, on va checker les deux items. La raison que la majorité des joueurs font ça, c'est juste à cause que si jamais il y a un objet dans ces deux places-là, comme une arme, ils vont aller faire le château d'Hyrule. Mm-hmm. L'autre option, c'est si jamais il y a la flûte. La flûte ou des bouteilles ou des bombes. C'est quelque chose qui va les aider quand ils vont aller à Kakariko. Parce que Kakariko, c'est quand même inévitable. Effectivement. Puis avoir la chance de peut-être avoir un pot de plus que l'autre pour aller voir le Sick Kid. Ou sinon même des rupies nécessaires pour aller faire le Bottle Vendor, des fois ça peut donner un petit avantage sur ça. Ouais, généralement on essaie d'avoir 50 rupies avant d'entrer dans Kakariko. Parce qu'il y a quand même 50 rupies dans les pots, dans la Maison Blind et dans le Well combiné. Mm. Et là, le meilleur des boomerangs! Comment ça le meilleur des boomerangs? Le meilleur des boomerangs? Juste parce que Little Miss est en train de faire le tracking, ça veut pas dire que le rouge c'est le meilleur boomerang. Non, c'est parce que je commande que le rouge, c'est le meilleur boomerang. Non. Bleu. j'ai fait du NMG l'autre jour, puis j'ai réalisé, non, c'est quoi le bleu, j'ai été converti. Non. Il va falloir que je te reconvertisse. Ah, bonne chance. Et là, du coup, Cryptix, qui va même pas voir Lumberjack, s'est dit, ah, je me suis fait avoir, aujourd'hui, il le fera pas deux fois. Donc, une petite forêt, tranquille. Il ramasse même pas le corps de cœur, pas besoin de ça. Tu as besoin des corps de cœur. Ben, si c'était en mode difficile, peut-être qu'il aurait fait le détour pour aller le chercher. Ah, mais lui, il prend. Pourquoi ouais, pas? Lui, il prend. Parce qu'en mode difficile, on peut avoir un maximum de 13 cœurs au total, puis chaque corps de cœur peut compter. Oui, surtout que Hard, c'est beaucoup plus difficile, donc on veut nos cœurs. Mm-hmm. Oh, la Vivi qui commence à bouger. Mm-hmm. Tout petit peu, en tout cas. j'ai un petit peu peur qu'il a mis son délai à 20 minutes plutôt que 15. Ouais, ça me donne l'impression. Il va falloir faire une petite pause à Cryptix pour rattraper le retard, mais rien de majeur. Et là, Cryptix qui se dirige vers peut-être le Bottle Vendor, vu qu'il n'y a pas encore de bombe. Le Bomber Vendor. Excusez-moi. Mm-hmm. Et si jamais Vivi a bien mis son délai à 20 minutes plutôt que 15, on va avoir un beau gel d'écran du côté de Cryptix en 5 minutes. Ah, mais on va pouvoir parler avec vous là, de tout et rien, là, de choses importantes. Chicken. Voilà. Fais même pas le chicken clip. Non. C'est un frame perfect, passer le poulet à travers la porte. Je suis toujours demandé. Et là, du coup, on va manquer 20 rupies, fait qu'on va redescendre un petit peu plus tard pour le Bottle Vendor. Et là, on va aller voir qu'est-ce que cache la well. Ouais. 5 rupies. 1 rupie, excusez-moi. Hey, merci Néo pour le sub! Merci Néo! Le dernier nombre de mois en un seul chiffre, ça se fête. Oh, et la flûte! Ah, ben c'est un bon timing ça. Ils vont pouvoir l'activer tout de suite et avoir beaucoup de mobilité pendant qu'ils font leur course au travers de Hyrule! Mm-hmm. Gotta go fast! Yes, without boot. Ah, des bombes. Toujours plus de bombes. Coup, Cryptix active sa flûte, donc une petite hymne nationale. Des hauts 7 dans le chat. Le Cryptix qui va se diriger probablement vers la Thief Hut. Mm-hmm. C'est quand même bizarre. Il rentrait par le nord, mais il fallait qu'il descende jusqu'en bas du Kakariko. Il remonte, puis là, il redescend vers activer sa flûte. Lui, il rentre dans Blind Hut. C'est pas le routing optimal, mais c'est à cause du manque de bombes. Quelques flèches. Mm-hmm. Un Kakariko assez tranquille pour l'instant, là.
Non, il n'y a vraiment pas grand-chose, à part la flûte qui va quand même aider, mais... C'est tout. Là, c'est à se demander si Cryptix va aller faire le race game ou non. Oui, parce que c'est quand même un détour. Ouais, effectivement. Mais on ne peut pas négliger la bibliothèque. Bon, ma théorie a prouvé... exact. On pense que Vivi a mis son délai à 20 minutes plutôt que 15. Majorité des autres tournois de A Link to the Past, leur délai, c'est 20 minutes. Mm-hmm. Avec deux exceptions, qui est la nôtre qui est 15 minutes et la Ligue LTTPA qui est de 10 minutes. Donc, on va mettre un gel sur Cryptix pendant 5 minutes, le temps que Vivi rattrape, parce que c'est mieux comme ça. Oui, effectivement, on veut pas avoir 5 minutes de décalage. Mm-hmm. À suivre! Oui, à suivre! Qu'est-ce qu'il y a dans la race? Le suspense. C'est du suspense, ouais. Là, faut deviner, est-ce qu'ils sautent en bas ou ils rentrent dans la porte? Ah, ben, il était pas en direction de sauter en bas, je pense qu'il s'en va dans la porte. Il a pas trouvé beaucoup dans le virage de Kakariko. Fait que, normalement, tu vas aller faire le race game quand que tu trouves rien. Ça veut pas dire qu'il y a plus de chances qu'il y a quelque chose au race game. Pas du tout. Mais c'est la tendance que les gens ont à faire. Oh, et on a vu un map check très rapide. On a un cristal à Tower of Hera. On a un pendentif rouge à Desert Palace. Et malheureusement, j'ai pas vu Eastern. Je pense que un cristal bleu Eastern aussi. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, mais je pouvais pas confirmer. Je peux pas confirmer à 100%, mais... Ça, ce que j'aime chez Vivi, c'est que Vivi, il est en train d'aller farmer ses bombes. Oui, monsieur. Il y a deux buissons ici qui ont un 50-50 d'avoir des bombes. Et Vivi a été super chanceux sur les deux. Un très bon RNG. Mm-hmm. On va voir le race game encore. Non, Vivi va nous spoil. Voir. Oh non. Cryptix va peut-être être déçu de rentrer en dedans. Il ne le laissera pas. Fait que c'est quand même bon que Vivi ait deux bombes ici. Tu veux avoir deux bombes. Mm-hmm. La première, c'est au cas où que justement il y a un objet au race game, tu vas aller chercher. Et la deuxième, ça va être pour le Bombable Hut, où c'est que tu vas y aller puis farmer tes bombes. Mais là, s'il va dans la taverne avant, il va trouver trois bombes, donc il fera peut-être pas Bombable Hut. Sait-on jamais, ça dépend de ton routing. On va bien voir du côté de Vivi dans une minute. Ouais, environ une minute. Mm-hmm. Donc, une paire de gants, une flûte. Un début relativement tranquille. Ouais. On a un Zora en logique, j'aime ça. Zora en logique, pas assez droopy encore. Toujours agréable. Ouais, pas sûr, moi. Et là, du coup... Là, on va voir Kakariko dans le sens inverse. Fait que là, ce qui est le fun, c'est que on a pu voir des deux runners le routing vers le nord et le routing vers le sud. Mm-hmm. Personnellement, je préfère le routing vers le sud à cause que justement, on n'avait pas les bombes au départ. Mais t'avais raison, Vivi s'en va checker l'arrière de la taverne, va récupérer ses trois bombes, va pouvoir faire le reste de Kakariko pas mal plus smooth et linéaire que Cryptix a pu. Et là, Vivi, peut-être qu'il va être intéressé d'aller voir le bûcheron vu qu'il va finir par la forêt. Des fois, ça peut être un petit peu plus intéressant de ce côté-là. Chaque seconde compte. Normalement, tu vas aller checker, je dis normalement. Il y a beaucoup de runners qui vont aller checker le bûcheron seulement lorsqu'ils ont les bottes. Mm-hmm, effectivement. Mm-hmm. Puis on sait que Vivi aime les bottes. Vivi va faire un rage quit après n'importe quel seed qui n'a pas les bottes en bas de 45 minutes. Mm-hmm, c'est éprouvé. Je pense pas qu'en troisième match comme ça, on est en top 8 finale en ce moment pour la top bracket? Pour le top bracket, oui, on est en top 8, donc quart de finale du haut. Donc, je pense pas qu'on va abandonner si on n'a pas de bottes. Là, du coup, Vivi, dans 1 minute et 46 secondes, on va pouvoir voir nos deux runners recommencer cette course. Oui! C'est juste un petit délai. Un petit délai de rien. Mm-hmm, tout petit. Mm-hmm. Et là, du coup, j'ai hâte de voir qui va prendre l'avance dans ces 5 minutes 46. Vivi va être rendu dans la forêt. Pas mal certain, hein? Ouais. Je pense avantage un petit peu Cryptix. De quelques secondes. Mais Vivi va avoir plus de bombes. Oui, effectivement. Bon, il nous faut combien de bombes? Une, deux... Possiblement trois avec Sarah.
maximum présentement en début de seed, là. Ben, justement, on est en début de seed. Si jamais vous allez faire mini-moldum, ça prend au moins 1, 2, 3, 4 bombes minimum. Ben, ils ont bon boss. Mais ils n'ont pas d'épée. Ouais, mais on va trouver une épée dans la waterfall. Pas la waterfall, la swamp. La swamp, dans le barrage, ok. Ouf, pas sûr, pas sûr. C'est compté sur beaucoup. On y croit. Et là, du coup, Vivi qui va récupérer son bon boss. Là, attention, dans 13 secondes! Et là, on n'a pas parlé de ça un peu, Raywek, là, mais qu'est-ce que tu souhaites comme seed pour nos deux joueurs? Quelque chose basé sur l'exécution. Moi, je veux une seed très linéaire. Moi, je veux voir leur meilleure performance. Oh! Ecliptix a sauté en bas, fait qu'il va falloir qu'il retourne, puis qu'il remonte, puis qu'il fasse le race game au complet! Wow! Donc, je donne avantage à Vivi! C'était un gros suspense de savoir s'il sautait ou il sautait pas. Là. Ben oui, hein! mais ce que j'aime ici, c'est qu'une fois que Vivi va avoir fini en forêt, lui va aller commencer au sanctuaire puis aller faire le back of escape. Parce que lui, il n'a pas encore commencé du sanctuaire, il n'a pas encore récupéré son boomerang rouge. Effectivement. Il a commencé par quoi en début de siège? Je l'ai manqué juste sanctuaire? Il est commencé à. À Link's House, il est allé faire l'oncle, ensuite il a recommencé à Link's House, puis il a fait le sud. Il a passé à Kakakyo par le sud pour aller farmer des bombes. Ah, c'est ça. Ah, mais non, ok. Vivi qui va ressortir, il prend pas le save and quit, il va aller tout de suite au South Shore. Et là, Cryptix qui va aller acheter des bombes. Ouais, parce que lui, il veut pouvoir faire un minimal down game avec les bombes. Ah, j'aime le choix, Vivi. Va tout de suite aller voir un troll Sarah Agina. Peut donner l'avantage totalement à un joueur s'il le fait pas. Agina le cowboy. Le cowboy? Ah oui, t'as pas vu son chapeau de cowboy? Il est dans un désert. Qu'est-ce que tu penses? C'est un cowboy, Agina. Okay. Mais oui, regarde son chapeau. C'est un chapeau de cowboy. Ah, je l'avais jamais vu comme ça. Je pensais que c'était ça. J'allais dire en commentaire. Tu sais, c'est couleur peau. Oh, la moon pearl. Ça, c'est bon. Ça valait le coup. Fait que là, si jamais il perd toutes ses rupies... Ah, ok. So, Vivi, plutôt que de flûter jusqu'au barrage, parce que je pense qu'il est en train de se préparer pour pouvoir aller faire Zora maintenant qu'il y a la Moon Pearl. Mm-hmm. Était où le... Le... Ah, ok, il a le boomerang. J'étais pas ici. Il l'a déjà. Il est juste pas marqué sur Tracker. Okay. Ouais, c'est ça. Parce il était à côté de l'ombre. Oui, il est à côté de l'ombre. Ok. Right. Mais ça. Vivi, plutôt que d'aller directement au barrage, puis comme peut-être pas tomber sur la 6 roupies pour Zora, il s'en va faire quelques checks juste avant, essayer de monter jusqu'à 500. Ouais, effectivement. C'est le bon choix à faire. Après ça, un fake flipper, là. Beaucoup d'objets qui vont l'attendre côté du sud. Ouais. Là, pas d'armes. Est-ce que tu vas tuer un rat, Stan? Aller tuer un rat? Avec une bombe dans le noir. Non, absolument pas. Le Cryptix. Très beau bombe. Ben oui. Tout va bien. Ah, sauf pour la dernière. Les mini trolls d'orbe. Oh. Il va falloir que Vivi soit chanceux, là, parce qu'il y a 4 bombes. Ouais, écoute. La Ice Rod. Ben, la Ice Rod, ça va lui permettre de faire 2 coups. Faut pas qu'il manque sa shot. Puis on a trouvé notre première bouteille dans Minimal Dome. Le Cryptix, qui va aller faire Ice Rod Cave? Ça va être moins avantageux pour lui d'aller faire... Il est inspiré par la Rod. Je pense pas qu'il va faire de fake flipper. Il risque de flûter vers peut-être la montagne, j'ose croire, dépendant de ce qu'il trouve dans la Ice Rod Cave. Parce que lui, il a pas les roupies pour. Il pourrait les farmer ici, mais ça serait vraiment long. Parce que en dessous de ce rush-là, il y a 20 roupies que tu peux farmer. Mm-hmm. C'est quelque chose que Vivi pourrait peut-être faire. Vivi risque de le faire. Sérieusement, 30 roupies, c'est pas si pire, mais quand il faut que t'en ailles 130, là, on parle d'une perte de temps considérable. Ouais.
Ils ferment encore. Tu vois, même cette petite roche-là, c'est 50-50 pour les bombes. Les deux l'ont fait, ils ont tous les deux récupéré une bombe. On va aller flûter dans le village pour aller acheter d'autres bombes. Non, pour aller donner la bouteille. Pour montrer la bouteille au sick kid. Allez, je te montre une bouteille. Qu'est-ce que tu me donnes? C'est comme, voici une des merveilles de la technologie. Une bouteille en vitre plutôt qu'un pot en céramique. Je me demande pourquoi l'enfant malade veut une bouteille. Il veut que... L'affaire, c'est qu'il te montre une bouteille. Tu lui montres une bouteille, puis il dit, « Oh, je suis trop malade, je peux pas aller attraper des insectes, parce que moi, j'aime ça attraper des insectes. Pourrais-tu aller, s'il vous plaît, attraper une abeille pour moi? Voici un filet. » Puis là, si tu lui ramènes une abeille... Il fait pas call. Ah ben, le salaud. Il veut partager son hobby. C'est quand même un hobby populaire chez les enfants au Japon. Chasser des abeilles. Pas des abeilles, mais des insectes. Ah, ok. Ils font souvent la chasse à l'insecte. Je trouvais ça un peu dangereux, chasser des abeilles. les jeunes enfants, les jeunes garçons. Ah, Vivi, prépare son fake flipper. Et voilà. First try. Wow! Oh, une première épée du côté de Sarah. Ça va être utile. Mais, sais-tu qu'est-ce qui manque? Juste une lampe, là. Parce que s'il trouve la lampe, il faut qu'il fasse Aghanim. Effectivement. Ils ont tout ce qu'il faut. La lampe s'en vient. Zora, lampe. Et là, du coup, Cryptics qui va aller dipper Eastern. Vivi qui fait son fake flipper au hobo et obtient un 20 rupies hors logique. Oh non, il peut pas dépenser ce 20 rupies là. Mais là, c'est pas hors logique, il peut pas. Zora qui va faire, je prends pas ton argent. Hors logique. Reviens me voir quand tu vas avoir des rupies logiques. Et Vivi a toujours pas fait Minimal Dome ni le barrage. Non, il a fait le barrage, mais il a pas fait Minimal Dome. Il l'a skip? Il a skip Minimal Dome parce qu'il y avait pas assez de bombes. Bon, en même temps, c'est pas très long, il retournait là, au moment qu'il va trouver sa panne. Il y a rien dedans, de toute façon. Attention, Vivi, c'est pas assez proche. C'est dangereux. Si tu te fais toucher pendant que tu es en mode fake flipper, c'est une mort automatique. Oui. Et là, qu'est-ce que... Ah, la waterfall hors logique. Et un autre 5 rupies hors logique. Ah! Il devient un peu trop riche à mon goût hors logique. 25 rupies hors logique, là. Ça, c'est du faux cash. C'est du vol. C'est de la fraude. C'est de la fraude totale, là. Vivi va aller en prison, hein. Il va remplacer les Zelda en début de seed. Juste les bombes sur le Zora Ledge, on s'en fout un petit peu. Même si on obtiendrait les bots pour aller les obtenir hors logique, je pense pas que les joueurs vont revenir. Non, je crois pas. Et là, Zora, notre arnaqueur professionnel, 500 rupies contre... fair trade, fair trade. Un retour de 60% sur investissement. Alors, viens me voir dans une semaine, les intérêts. Ben, ces 300 rupies-là vont en fait être utiles parce que c'est toutes les rupies qu'il y a besoin pour finir la game. Il reste juste le race game, il reste le digging game, puis il reste Kiki. Ben, possiblement Kiki. Possiblement. Okay, ouais. C'est possible qu'il n'y aille pas à Pod. Et là, Vivi qui va aller vers Eastern, donc... Il va aller acheter d'autres bombes en premier. Parce qu'il n'y a pas d'armes! Il ne sait pas encore qu'il va trouver une épée. Non. So better be safe than sorry. Effectivement. Pour la tradition française, parce qu'on est des francophones, c'est mieux d'être sécuritaire que de s'excuser. Quelle belle traduction! Ok, ça en va à Minimal Dome avec ses bombes maintenant. T'sais, à 10 bombes, c'est bien assez pour aller faire Minimal Dome. Oh oui. J'ai déjà vu du monde, par contre, réussir à pas passer à travers avec 10 bombes. Ça s'est déjà vu. Ben, il faut de la pratique, ça c'est sûr. Il faut que tu puisses timer quand tu lances ta bombe, ou que ça explose quand ça va atterrir d'un bord et de l'autre. Bien sûr, t'as le troll du celui qui est du milieu. Le du milieu, des fois, tu peux aller te tuer avec, là. Tu te mets une bombe sur la tête, puis... Ouais, une des techniques, c'est tout à fait, c'est le suicide. Tu tiens ta bombe, tu t'approches, puis... tu t'exploses avec. Le problème avec ça, c'est justement, si t'as pas beaucoup de cœur en début de jeu, si t'as juste 3 cœurs, disons, ça va être un peu difficile de pouvoir survivre ça. Et là, le mauvais boomerang du côté de Cryptix.
Valiant, Valiant, Valiant. Really? Ok, le moyen boomerang. Le non supérieur boomerang. Et là, Vivi qui va sûrement flûter à Eastern. Là. J'espère, parce qu'il faut qu'elle cherche son épée. Il faut qu'elle cherche son épée. Non? Ouais. La bouteille. Ils vont faire la sick kit. Ok. Là, il va plus rester grand chose, là, en logique. Il va rester l'intérieur de Spectacle Rock, le devant du Château d'Hyrule, mais ça risque d'être une des dernières choses que les runners vont faire. Parce que on veut pouvoir aller le faire, puis jamais on trouve rien, on fait un. Suicide. Ouais, c'est ça, on fait un. Death Warp, on appelle. Pour retourner au début et ensuite aller faire. Aga. Oui, effectivement. Donc, j'ose croire qu'ils vont se diriger vers la montagne quand il va manquer de check. Ben, Cryptix, que lui, il aura pas encore sa Moon Pearl, en vrai. Il va falloir qu'il aille voir Aguina. Apparemment, on est en train de confondre Vivi et Valiant. Je sais pas pourquoi. C'est pas comme si leur nom commençait par la même lettre. Nani? Je sais que je suis aussi bon que Vivi, là, mais... Oupala, monsieur! On se rappelle que Vivi a gagné la troisième place dans le dernier tournoi francophone qui s'est passé l'été dernier. C'est ça, moi, je finis troisième, dernière position. T'es pas fait éliminer en première ronde la dernière fois? Non, non, non. Ah, c'était 7 fois. Hein? Non plus? Non plus? Ah, ok. Non, non. J'ai envie d'aller checker ça. Oui, tu t'es fait éliminer en première ronde. Ensuite, Oui, oui. Ok, ouais. Ensuite, t'as quand même duré jusqu'à ronde 4. Ouais. Écoute, quand t'es un vétéran que j'ai perdu, là, c'est un honneur. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Des bombes. Là, j'ai hâte de voir si la continuité va être dans Spectacular Rock. Non, ça risque d'être dans le Château d'Hyrule. Il faut. Ben, c'est ça, c'est juste 10 flèches. Donc, c'est la continuité est dans le Château d'Hyrule. Une lanterne, on le veut. The hookshot is in the castle? The hookshot is in the castle? C'est ça que c'est écrit? Yes. Oh donc, my! Donc, on va aller... On va aller chercher ça, je pense. Ça loue quand même une bonne partie de la montagne. Ça va quand même ouvrir 2, 5, 7, 8... 8 chests après ça. Je pense qu'il y a certains membres dans le chat qui se souviennent d'un petit incident qui s'est passé avec toi. Pas de quoi tu parles. Juste un petit incident. On n'a pas de preuve de ça. On n'a pas ton entrevue, justement? Je sais pas. Je pense pas, non. Ouais, il est disparu dans le néant. Donc, ce à quoi je fais référence, c'est que durant le tournoi dernier, Valiant a malheureusement cru qu'il y avait un compas dans l'escape et n'a pas ouvert le dernier coffre, pensant que c'était un compas qui avait sa progression. Ouais. Fait que j'ai été juste un petit accident. Ça peut arriver à n'importe qui. On s'entend qu'on voit des compas partout. Sauf dans le Château d'Hyrule. Mais pourquoi il n'y a pas de compas dans le Château d'Hyrule? Ça, je ne sais pas. J'avoue qu'il aurait pu le mettre quelque part. Il aurait pu le mettre comme, tu sais, juste ici, dans là où il y a toutes les gardes bleues, il aurait pu mettre un coffre nowhere. Mais s'il y a ben un donjon qui est... Mais ça, c'est le plus gros des donjons, logiquement. Hero, Castle, c'est un ben, château. L'affaire, ils veulent pas te donner un compas parce qu'ils veulent pas que tu trouves la princesse. Ah... Ah, mais il donne logique, une carte. Hein? Oui, il donne une carte. C'est pas logique! Ouais, mais c'est pour que tu puisses savoir où sont les sorties d'urgence. Sur la carte, c'est écrit où sont les sorties d'urgence. Ah. Ouais! Il y a quand même trois sorties. Si on compte pas les égouts, là, mais personne n'est censé savoir que les égouts sont là. C'est secret, les égouts. C'est pour ça que tu peux t'en sortir avec la princesse. Mais les égouts sont sur la carte. Chut! It's a secret to everyone. Ah. Et là, Cryptix qui va récupérer son hookshot. Yeah. C'est qui veut dire qu'il s'en va à la montagne. C'est qui veut dire que ça va l'éloigner encore plus de sa Moon Pearl.
Ouais, donc... mais la Moon Pearl est quand même pas trop loin. Grâce à la flûte, c'est quand même juste une petite coche à aller chercher. Mmh. Fait cryptique, c'est qu'il a pas encore été voir Zora, fait que ça doit le trotter dans sa tête quand même que Zora Moon Pearl. Non. Non, Vivi de son bord, il a fait tous les checks possibles. Maintenant, il s'en va au Château Zirul. Il a pas besoin d'aller à Spectacle Rock. Il se dit, regarde, c'est quoi les chances que justement mon marteau il est là tandis que j'ai quasiment tous les items? Ouais, effectivement. Ah, non, laisse faire. Voyons donc, come on, Vivi! Come on! Hein? What? Hein? Non, c'était une erreur, ok. Ok, Vivi qui a eu veux-tu dire un brain fart? un pet de cerveau? Ouais, en plein ça. Ok, il y a eu un pet de cerveau. Oh, et voilà, l'arc et la flûte. Ah, ça fait quand même mal. Tu viens juste d'aller à Eastern. Tu sors, tu trouves ton arc, là, faut que tu retournes à Eastern. Et là, du coup, quelqu'un qui aurait commencé par l'escape, ça aurait eu un grand avantage. Oh mon dieu, ok, je m'excuse. L'affaire, ok, le jeu a eu un upgrade dans sa traduction quand on était rendu à Link to the Past. Ils ont dit The Secret to Everyone plutôt qu'un Secret to Everybody. Ok? Oh. Fire Rod et Lanterne! Ben là, ça fait juste mettre Dagon encore plus en logique. Effectivement, Fire Rod Covarien encore pour le Dark World Access. Donc, Aga est totalement dans la logique présentement, là. Oui. Non, quelque chose que Cryptic n'a pas fait quand il est allé au Château d'Irul, c'est qu'il n'a pas fait le coffre dans le noir. Puis dans le coffre dans le noir, on sait qu'il y a un objet. Non, c'est la boussole. Non, Vian! Non! Je te jure que je vais contacter le randomizer et je vais leur dire de racheter une maudite boussole. Mais il y en a un, justement, tu peux l'ajouter, en fait. Ah, il y en a un dans le code, puis justement, dans le randomizer, tu peux rajouter la boussole pour le Château d'Irul. Il y a même un qui est tagué pour ça. Bon, ben, on le fait. Là. Je sais pas si ça fait quelque chose. En fait, je sais même pas à quoi ça sert, la boussole de base. Mais, ouais. En tout cas, sais-tu qu'est-ce qu'on a vu sur le Sky Island? Sur l'île, non, j'allais manquer. C'était les palmes. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Vivi va trouver son indice. Il va aller chercher son grappin. Ouais. Comme un bon sorcier. Et là, Cryptix, il va où? Il y a la lanterne, il y a l'arc. Eastern a l'air pas mal tentant pour lui. Eastern a l'air tentant, mais je sais pas s'il a trouvé tous les trois objets. Je pense pas, non. Ah oui, probablement. Il va aller chercher sa Moon Pearl. C'est possible qu'il aille faire Zora aussi. Parce que lui, il a pas en fait. Un fake flipper est si vite arrivé. Lui aussi va trouver ses 25 rupies hors logique. Non. Remboursé. Moi, je me demande si Vivi va aller faire le coffre dans le noir. Mais du coup, à qui tu donnes l'avantage présentement? Voyons voir. Si Cryptix va directement à Aga puis il suit la logique, je donne à Cryptix. S'il veut vraiment essayer d'éviter Aga puis il va faire tous les checks possibles, c'est assez égal. Effectivement. Bien d'accord avec toi là-dessus. Ah! Non, Cryptix qui va même pas voir Zora! Non, et mais c'est hors logique, c'est correct. Il faut qu'il fasse quelques gambles. Vivi a une exécution un petit peu meilleure que Cryptix. Fait que, faut quand même qu'il prenne la chance. Il se dit, je vais suivre la logique là, s'il veut que je fasse Aga 1. Ouais, lanterne, épée. On a une Fire Rod en plus, on a pas sa magie pleine, mais malgré tout. Ah non, il va faire. Mais Cryptix s'est souvenu du coffre dans le noir, parce qu'il y a un objet là-dedans. Mm-hmm. La boussole. Je rêve du jour qu'elle va apparaître. On pourra plus jamais se moquer de moi. Plus jamais. Zora est en logique à l'eau. Mais tout le reste des checks, non. Et c'est pour ça que justement, est-ce que tu veux aller faire tout ce grand détour-là pour faire tous ces trois checks hors logique? Un check sur le ledge, puis ensuite Zora qui va te coûter beaucoup de roupies. Bon, on s'entend qu'il y en a beaucoup pareil, là, mais... Hey, un autre cœur. Cryptix va faire un death warp. Ouais, Vivi aussi se prépare pour un death warp. Lui va aller faire le coffre dans le noir le plus vite possible. Non, ça j'aime ça. On a-tu vu Stone Price? Pas que je sache.
Ça serait utile si j'avais des bombes. Et là, du coup, Vivi qui va aller faire le coffre dans le noir. Ouais. Il n'y a pas de lanterne, fait que ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que Cryptix. Ben, il y a de l'expérience pareil. Fait que oui, ça va prendre un peu plus de temps, mais pas tant que ça. Il y a quand même beaucoup de cœur, il n'y a pas besoin de se soucier de bien des affaires. Faut quelque chose que... Je viens de penser à ça, là, mais Vivi, il n'y aura pas assez de magie pour utiliser sa cape si jamais il va à... Aga 1. Oh! Fait qu'il va falloir qu'il trouve la magie avant qu'il s'y rende. Il connaît peut-être les pots. Les pots dans le noir ici? Ouais, pourquoi pas? T'sais, moi je les connais les pots. Lui, il va sûrement les connaître. Mais le fait qu'il faut qu'il pense à ça au temps d'avance... Ouais. C'est... Mais juste dans la salle qu'il y a un coffre, le pot qui est à gauche complètement, c'est de la magie. Oui, 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 absolument. Si tu vas à gauche, il y a des pots avec de la magie. Mais est-ce que c'est vraiment dans la tête à Vivi d'aller faire ça, tandis qu'il lui manque juste un objet pour aller dans le Darkwood? Il manque juste le marteau, puis toute la montagne s'est débloquée. C'est sûr que tu penses pas à Ganym maintenant. Non, pas du tout. Il n'y a même pas encore sa lanterne, là. Il y a tellement d'objets qui l'attendent à côté droite, là. Ouais. Mais il va falloir qu'il trouve un petit peu de magie. C'est sûr qu'il peut aller voir l'oncle. À côté de l'oncle, il y a deux pots de magie. Et ça fait un petit détour. Mais là, du coup, avantage cryptique si oui. Aga est requis. Ah, Aga est requis. On a fait tous les checks possibles. Ah! Ah oui, effectivement, excuse-moi. Aga est requis. Aga est requis. Yeah. Là, faut juste qu'on espère pour la PED, c'est ça? Je sais qu'il y a bien du monde dans le chat qui adore la PED. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu une PED. Je serais content. On en a eu beaucoup, en fait, dans ce tournoi-ci des PED Seed. Le problème, c'est que la majorité n'était pas rediffusée. Ah! Le troll reste caché. Mais toi qui souhaitais une course d'exécution, une PED Seed, y'a rien de mieux que ça, parce que les deux joueurs doivent faire tous les donjons, donc... Ouais. Puis là, on a eu un bel indice qui... Prémonition pour Hype Cave. Ça risque de pas être génial, parce qu'il y a des bombes dans Hype Cave. Mais non. Hype Cave est toujours hype, voyons. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Right. Et là, Vivi, c'est vrai qu'il avait pas encore fait mini Meldorm Cave? Mais non, on vient de pogner son cave. Non, c'est pas Meldorm Cave, c'est... Je suis fou. Ouais, c'est Paradox. C'est Paradox. Il a déjà fait mini Meldorm. Il est retourné, il est allé acheter des bombes, il est allé faire mini Meldorm. Ah ouais, aux bombes, c'est vrai. Je suis où? Je suis qui? C'est quoi le jeu? Bon, et bienvenue tout le monde, incluant mon co-commentateur. Voici un match de A Link to the Past Randomizer. Ah, oh, ok! C'est le tournoi francophone. Et bienvenue, Valiant. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, Awek. Bonjour, Awek. On s'est jamais parlé, je pense. Non, jamais. C'est pas comme si tu as couché sur mon divan il y a quelques semaines. Là. J'ai fait ça, moi. Mm-hmm. Avec tes millions de chats. Ouais. J'ai encore du poil sur mon linge depuis. Qu'est-ce que le pire, c'est que ça m'étonne même pas. Mes chats. Oh. Oh. Donc, comment Blue Ball? Combien? Mettez vos guesses dans le chat. Toi, tu gardes ce qui compte, là, parce que moi, j'ai pas regardé. Moi, je suis en train de... Moi, je suis complètement absorbé par le Spiral Cave. Je pas. Ouais. Ça tourbillonne. Non, du coup, je pense qu'on est rendu à deux blue balls, là. Me semble. Du coin de l'œil, là. Alright. Et Vivi a fait son tour de la montagne. Il risque d'aller faire Aga. Ok, finally. J'ai enfin deviné comme du monde. Et non, Vivi n'a pas trouvé de marteau, c'est souvent un misclic à côté de la lanterne. Mm-hmm. Et là, pyramide, 50 roupies. On va-tu les chercher? Non. Fait que là, quand même, Cryptix a un petit avantage, mais l'avantage est balancé. Ça veut dire que si jamais Cryptix va aller faire la section de Zora, ça va être du temps neutre. Hey, excuse-moi! Mais Eastern, c'était un pendentif. Ah! Ben oui, Eastern, c'est un pendentif. Ah! On a mal vu ça. Donc, Pod et Ice Palace, qui sont les cristals rouges? Et Turtle Rock, c'est le pendentif vert, ouais. Oui.
Donc c'est ça, j'ai conclu que Eastern c'était un pendentif, donc... Clairement, clairement. C'est pour ça qu'on n'a pas retourné dans Eastern, là. Ouais. C'était juste un misclick. Un little misclick. Un little... Trouch. Ah, elle était parfaite, là. Est-ce qu'on peut avoir une aubergine pour Iwek? s'il vous plaît, j'en mérite un. Un little misclick. Un little misclick. Parfait. Oh mon dieu. Et là, on va aller voir Catfish. Yeah. Ça là, Catfish, là, j'ai jamais envie de le visiter. En fait, je pense qu'il y a personne qui aime le visiter. En fait, tu sais quoi? Non, il y a du monde qui aime le visiter. Puis le monde qui aime le visiter, c'est mes adversaires, parce que moi, j'aime pas ça y aller. Catfish, c'est tellement le l'objet le moins agréable à aller chercher dans toute la série. C'est hors du chemin, si t'as pas les bottes, ça vaut pas la... C'est tellement long, si t'as pas le miroir, tu peux même pas combiner avec Zora. Et... What? On a les trois médaillons. Eh oui, ok, il y a le troisième médaillon. On n'a pas besoin de se soucier de ça pour Meyer. Présentement, là, on n'est pas des guerriers, on est des mages. On a les deux baguettes magiques, on a trois médaillons, on a une cape. On est un mage. Ah, tu vois, moi je préfère ce que Vivi est en train de faire. C'est plutôt que d'utiliser les flèches, que ça prend plusieurs flèches pareilles par garde, il utilise sa fire rod. Le feu sur la fire rod va prendre plus de temps à s'éteindre, mais t'as juste besoin d'un seul coup. Mm-hmm. Mm-hmm. En fire rod, tant que moi, dans la montée du château, ça va vite. C'est sûr que dans le NMG, tu vas le faire avec ton arc. Ton arc est ta master sword, bien sûr. Mais moi, je préfère davantage le fire rod. Et là, du coup... Cryptix, qui ne va pas vers Pod. Comment ça, du coup? T'es-tu rendu français, là? Un peu, ouais. T'es fait trop influencer. Non! Non, non, c'est une influence positive. Ouais, c'est ça. Bon. On va dire ça de même. Oh, et le marteau! Oh, wow, puis en plus, c'est accessible. Fait que la cape a eu double usage aujourd'hui. Un pour aller voir Aga, puis deux pour aller chercher le marteau. On a beaucoup d'objets, là, c'est incroyable. Là. Pour quand même 32 minutes, là, il manque possiblement 3 objets, Go Mode. Ben, deux, parce qu'on en connaît un. Je commence à espérer qu'il y a quelque chose à Spike Cave, là, aussi. C'est un troisième usage pour la cape. La cape, overrated. Ah, Vivi a switché à l'arc. Il économise sa magie pour... Ben, il va avoir un refill une fois qu'il va à Ganym. Ah oh, ouais, ça, fait que ça c'est pour ça que je préférais utiliser la Fire Rod, parce qu'une fois que tu vas à Ganym, t'as un refill complet de magie, mais t'as pas un refill de tes flèches. Mm-hmm. Et là, du coup, Skullwood, Thief Town, Pod, tout accessible, tout finissable. La vie est belle, 3 cristals qui nous attend. Ouais. Donc, faites vos prédictions pour les Blue Balls. Ah non, il est trop tard. Non, c'est vrai, je pense que c'est déjà fait. Enfin, on avait-tu calculé combien qu'il y en avait ou? Je pense qu'il y en avait 4. Je pense. On est bon avec les mini-jeux, nous autres. Des mini quoi? Les mini-jeux. Little Miss Game. Oh my goodness. Dance Game. Là, Thief Town pour Cryptix. Ok, fait qu'il en avait 4 finalement. J'avais raison, je suis le jeu. Y'a-tu quelque chose qui est tombé? Ben, la chatte a vu ma bouteille d'eau, il a décidé... Oh, moi je veux prendre cette place-là, laisse-moi juste le pousser sur le sol. Ah, pourquoi pas. Ouais, hein. Merci. Et là, Vivi qui fait un haga au boomerang rouge. Tu vois, c'est le meilleur des boomerangs. Le pire, c'est que hier, il a fait la même chose. Le problème avec ça, c'est que ça lui a fait manquer une des boules. J'ai ri fort. Oh non. Pourquoi? Parce qu'au moment que son boomerang est parti, il était trop tard pour faire spinner sa sword? Ouais, c'est ça. Ah. Et voilà, Aga fini. Donc, Vivi qui tire un peu du derrière, malgré que Zora... c'était pas nécessaire d'aller dans ce coin-là, fait que... Mais c'est toujours possible que Cryptix va aller le faire un jour. Mm-hmm. Maintenant, Cryptix, on peut dire, il y a une avance. Il y a un avantage. Mm-hmm. Et j'ai quasiment envie de switcher le son, là. Oh. Quoi? Tu peux.
J'y songe. Et là, un map change côté ah, de lui. Et hey, c'est arrivé magiquement. De manière magique, il y a eu un switch de son. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, tout le monde peut savoir crypté que ça une petite avance. Ah, c'est à cause du son qu'on sait l'avantage de quelqu'un. Généralement, oui. Fait que si les deux sont collés un à côté de l'autre, là, il faut que tu switches le son à chaque seconde. Ben, il faut que ce soit quand même une avance significative. Ah, ok. Puis là, je peux dire que c'est quand même significatif. Il est rendu dans son premier donjon cristal. Qui oh, est capable là, de compléter. Vivi qui va pas voir quatre fiches, donc on va espérer que Ether ne soit pas nécessaire. Tout à fait. On a juste besoin de Meyer, fait que c'est pas si pire. Ben, possiblement juste Meyer. Je vais pas jinx les choses. Ben, considérant la course d'hier soir, c'est que, ben, Turtle Rock pendentif était requis pour aller chercher leur dernier médaillon. Bon, on s'entend que ça va pas se passer ce coup-ci, là. Mais il manquerait juste la canne de Samaria pour pouvoir compléter... la canne de Samaria puis les moufles distants pour pouvoir compléter Turtle Rock. Ben moi, je me dis, le seul objet qui peut être dans Turtle Rock présentement, c'est le miroir. Ou les bottes. Qui pourraient être requis. Ouais. OK! Bon, ben, pas de miroir. Non, pas le mémoire. Fait que, peut-être les bottes ou le livre. Excuse-moi aussi, il y a le livre. Ouais, fait que là, si jamais ils trouvent les moves du titan, ils vont pouvoir aller chercher les palmes, qui va ensuite mettre Swamp Palace en logique. Oui, effectivement. Mm-hmm. Swamp, puis... Swamp et Ice Palace. Ben, on a... Bon, si on trouve les moves. Ouais, c'est ça, il faut les moves. Donc, on se rapproche d'un item du Go Mode, là. Mm-hmm. Ben, en vrai, on est à la Samaria proche du Go Mode. Donc, ça a l'air d'une seed assez rapide, là. Ouais. Il manque pas grand-chose. Il manquerait Samaria. On sait pas c'est quoi, le moufle. Ouais, c'est vraiment tout. C'est tout. Pas besoin de moufle. Puis en plus, Cryptex vient trouver sa Master Sword. Fait que ça veut dire qu'il est capable de battre Ganon. Ganon Master Sword Silverless, qui est quand même pas plaisant, mais possible. Non, effectivement. Surtout qu'on n'a pas encore beaucoup de cœur, là. On a quoi? On a 8? J'ai la carte. It's the map. En fait, moi je sais pourquoi que je connais ça, parce que je l'écoute avec mon neveu. Pourquoi toi tu sais ça? Ben, j'ai une petite fille moi aussi. Ah, oh, right, c'est vrai. C'est vrai ça, j'ai oublié. Mais non, à chaque fois qu'il sort un épisode, je les écoute tout seul dans mon coin. Et là, Vivi, tu dois faire attention. Oh non, il meurt. Donc, blind, poignée cristal, potentiel pour X. Il y a une cape. Il y a beaucoup de cœur. Il y a Blue Tunic. C'est pas encore fait toucher. J'aime ça de la part de Vivi. Vivi va faire Skull Woods avant d'aller faire Thieves' Town. Parce que là, Cryptex, il va falloir qu'il remonte de Thieves' Town pour aller faire ça. Et ensuite, il va sûrement devoir redescendre ou partir de la maison de Vic. Fait que je préfère voir ce que Vivi fait. Vivi, as-tu été voir Bumber Cave? Oui. Oui! Ok. On va le voir quand il va ouvrir son menu, mais oui, je le crois. Ok, le marteau est là. Oh, Master Sword! Donc, on va avoir une Temper Sword. Oui. Master Sword qui tombe, ça tombe bien en fait, juste avant d'aller faire mop. Quoique, c'est très possible que Vivi va utiliser son marteau pour le battre. Mais là, Cryptic, c'est lui qui va avoir Tempered pour tuer Mott. Pas nécessairement. Parce que si justement il manque juste un objet, c'est possible que tu vas faire Mott avant d'aller faire ce coffre-là. Ouais, effectivement. Ça peut sauver du temps. Yes, sir. Et là, du coup, Cryptic, qui va aller se diriger vers Skullwood? La main. Elle me fait peur. Et là, du coup... Motula.
Du coup. Du coup. À grand coup de du coup sur le Motulu. Du coup. Ben moi je préfère penser avec ma tête, du coup. Ah. Fait que là, un coup. Deux coups. Oh, un coup pour Vivi. T'as-tu remarqué que Motulu n'avait pas de coup? Ben, c'est... Ben, en fait, je sais pas. Je sais pas où est où la face. Parce que tu sais comment que les papillons, leurs ailes font souvent penser que justement, c'est, ça a l'air comme plusieurs yeux, plusieurs visages, etc. Mais je sais pas c'est où le visage à Motulu. C'est peut-être le dos qu'on voit à Motulu présentement. Peut-être, en fait. C'est peut-être justement, il fait... Oh, et le livre. Livre qui... Ah, peut être là... qui... Je veux dire... Il y a les tablettes. Ça l'ouvre pas nécessairement Desert Palace, quoi qu'il... En fait, ça l'ouvre Desert Palace. Ouais. Palais désert. Parce qu'on n'a pas présentement les moves du titan. Mais là, Cryptix, qui a son miroir, va pouvoir aller voir le Ped en sortant de ce que... Ah ben oui, t'as raison. Ped hype? Ped hype! Qu'est-ce qu'il pourrait avoir sur le Ped? Rien. Les bottes. Les bottes, ouais, les bottes. Ouais, c'est... il peut juste avoir des bottes. Ouais. Oh, ouais, les... non, pas les moves. Ce sont les pâmes, non, les... Non, les moves. Ouais. Ah, c'est les juste moves. Les bottes. Ou un champignon, ou de la poudre. Ouais, ouais, il va pas nécessairement avoir grand-chose. Non. Ah, ça peut être les possible bottes. Que Cryptix va pas aller lire, ça le sauve du temps. Parce qu'il sait qu'il y a pas d'objet nécessairement requis, sauf possiblement les bottes. Mm-hmm. Ah, oh, ce serait tellement beau de voir les bottes pour un... Bah, ce serait juste les bottes. Ouais, ouais, juste les bottes. Ouais, ouais. Mm-hmm. Ah, c'est triste. Pis ça c'est les bottes juste pour pour Janin's Tower, parce que justement pour la palais du désert, ouais. Je veux qu'ils rentrent dans Janin's Tower pis qu'ils fassent « Oh, on a pas les bottes », pis là ils vont voir sur le pad pis là c'est les bottes pis ils se disent « Ah, merde. » On va rappeler à nos viewers que les palmes sont sur l'île flottante. Donc, on a les palmes. On considère comme quoi que nos joueurs ont les palmes présentes. Ouais. Mais là, il y a beaucoup d'endroits qui s'est ouvert, là. Nos joueurs, ils ont beaucoup de choix, là. Pod, encore cave, là, il y a désert, il y a Hera. Ouais. Il y a beaucoup de choix, là. Je sais pas s'ils vont aller sur la montagne tout de suite. Ils viennent d'y aller. Il resterait juste Hera puis la tablette des terres. Puis aller chercher leurs palmes. Fait que quelqu'un qui va redescendre va être prêt pour swamp. Ils n'ont pas de moufles. Ah, ouais, mais... C'est pour ça que je disais qu'ils éviteraient la montagne jusqu'à ce qu'il y ait les moufles. Ouais, effectivement. Ça fait du sens. Ah, Cryptix qui a justement ses sword beams, il vient juste de s'en débarrasser pour qu'il puisse frapper Mott avec sa tempered sword qu'il a récupéré avant d'aller voir Mott. Fait que ça faisait un Mott pas mal plus facile pour lui. Mm-hmm. Et voilà, un Mott de mort. Deuxième cristal pour Cryptix. Donc, avantage Cryptix quand même relatif, là, Vivi, qui vient de rentrer dans son Cave Town. Avantage Cryptix? De quelques minutes, là. Je dirais un bon 5 minutes d'avantage. L'avantage devient de plus en plus gros, ça c'est sûr. Mm. Parce qu'en ayant eu le miroir où ce que Cryptix est, il est capable de juste s'en sortir. Oh. Il fait le ped! Il va tuer le ped! Non, on va pas le voir! Mais je non! Il y a rien de progression, là! Maximum health increased. Yeah! C'est requis. What? Comment ça c'est requis? C'est comme le... C'est sûr que c'est le Sanctuary Heart. Donc... C'est pas un différent message pour le Sanctuary Heart? Je sais pas. Je sais pas, hein? Non. Je veux dire, c'est codé comme un cœur normal. C'est juste que... Il remplit tout le reste, là. Hmm. Comme un corps de cœur. Hmm. Et là. Où Cryptix s'en va? Ah, il va sûrement aller faire Graveyard Cliff. Graveyard Ledge? Ouais, je suppose. Parce que c'est long y retourner sinon. Non, il me fait mentir. Ah, mais il a pas fait le devant de Skullwood encore? Oui. Ah, il l'a fait. Il a trouvé ses deux objets. C'était Tempered Sword pis Leave. Vas-tu là? Ouais, pis... c'est ça, c'était tout c'est à un perfect là. Skullwood. Fait que, il fait un. Tout un détour. Pour aller faire le jeu de l'appel, mais... Non. La meilleure option, quand que t'es dans la position cryptique, puis que tu veux aller dans le village des valeurs, le village Valcast, ça serait de conserver ton... d'aller dans le Light World et de retourner dans le Dark World par le nord.
Ouais, carrément. Ça t'évite de faire tout le donjon au complet. Ah ouais, t'as juste à descendre, puis après ça, redonner un petit coup de marteau. Merci, bonsoir. Là. Exact. Bien sûr, si t'as les moves, ça l'aide encore plus, mais... Donc, du coup, digging game. Non, mais... Combien de coups de pelle? Combien? 2. Non, j'ai eu tort. 28. Moi, je garde pas le compte, là. Oh, moi non plus. Qu'est-ce qu'il dessine? Moi, j'essaie d'interpréter le pattern à Cryptex, plutôt. Présentement, ça a l'air d'un Tori. Là, ça a l'air d'un fusil laser de Star Fox. Ouais, c'est ça que je disais, c'est le fusil laser de Star Fox. Fait que là, on va aller voir Cave 45, Stumpy, Hype Cave, Bombos, pis tout. Mm-hmm. Mais je pense qu'il n'y a pas de la solution. Yeah. Je dis pas des complétables. Oui! Complètement logique. C'est un cristal. Rouge en plus. Mm-hmm. Mais là, il peut pas avoir de gros trolls pour ce type, en fait. Ben, en fait, il peut avoir des gros trolls. Il y a les moufs que vous qu'on trouve. Plus on les trouve tard, mieux c'est. Mais quand même. Tu sais, le moufle est là. Ne sait pas où ils sont. Tu sais, on sait qu'ils sont pas face au Swamp Palace parce que justement, les pâmes sont bloquées par les moufles. Mais. Donc, un blind pour Vivi. Oh! Il va avoir chié son pattern, malheureusement. Hmm. Hey, langage. Ah, j'ai dit... Manqué? Dit... C'est ça que j'ai dit? Ouais, c'est ça que j'ai dit? Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est ça. Bombos. Alright, deuxième cristal pour Vivi. Fait qu'on risque de le voir faire la même... le même routing que Cryptix. Mm-hmm. Les deux ont négligé Graveyard Ledge. Je suis pas content. Mm-hmm. Mais en effet, il manque juste les moufs puis la canne de Somaria, puisqu'on sait où sont les pannes. Mm-hmm. Je veux dire, tu pourrais tout le temps essayer de trouver les flèches d'argent, mais je pense pas que nos runners vont aller faire ça. On a Temper Sword. On va les prendre sur notre chemin, mais on va pas être sûr. Je pensais que Cryptix allait regarder l'indice dans le swamp, mais non. Ben, il est passé devant l'entrée, mais il a décidé. Non, ça me tente pas de lire l'indice. Mais y'a pas de palme. Tu peux entrer et regarder l'indice sans les palmes. Il y a des escaliers. Il y a des escaliers pour descendre là où il y aurait normalement de l'eau. Ensuite, tu remontes les escaliers du côté de l'indice. Ah! Dans le jeu original, c'est comme ça qu'ils te disent « Hey, c'est là qu'on va... faut que tu retournes dans le Light World, activer le Dam, parce qu'il y a de l'influence dans le Light et le Dark. » Et là, du coup, flèche d'argent, fallait en parler? Ouais, hein? Faut juste qu'on le mentionne. T'as peu. Champignon. Oh, come on! Mais là! Non, en effet, TR est mort. Ben il est mort. Les bots! Les bots! Toi, tu veux vraiment juste voir la Ganon's Tower Big Key sur la torche? Oui, on le veut tous! Je suis sûr qu'il y a personne dans le chat qui dit non, moi je veux pas ça. Hein, le chat? Chat, dis non, je veux pas ça. Toi, tu fais une course clean. Non! Non! Hey, man! Non. Y aller! Non? Ah! Toi? Je pense qu'ils sont tous de ton bord, là. Ah, je sais. Gali m'aime plus que toi. Oh! En fait, non, je pense que Gali disait non, elle veut pas sur la torche parce que justement, elle veut conserver la vie de Bob. Ouais, mais Bob va se sacrifier pour une bonne cause. T'imagines-tu comment que la vie de Bob doit être triste à tournoyer dans son trou toute sa vie? Là, au moins, il sert à quelque chose puis il est content de partir en paix pour donner la service à Hyrule afin de... You know? You know? You know? Cryptix fait le choix logique. Il s'en va à Pod. Il y a 5 objets qui sont dans Pod.
Les chances d'avoir une progression ici sont quand même assez hautes, en plus que c'est un donjon requis. Mm-hmm. Donc, on va passer à travers le donjon, peu importe ce qui se passe. Mm-hmm. Le Vivi n'a pas fait le détour encore pour aller voir la tablette de Bombos. Il s'en va faire. Ok. Oh, c'était pas Bullock. Tadam! Tadam, tadam, tadam. Ben, en fait, c'est nécessairement Bullock, là. Parce non. Faut que tu obtiennes tous les objets avant d'aller à Warren Mazar, bien sûr. Ben, casque aux ordres. Casque. Bon, on a commencé une proteste dans le chat. Viant, apparemment, t'as suscité PETA, protection pour les animaux. Ben, attends, est-ce que Bob est un animal? Non, c'est une chose. C'est une chose! Tu donnes même pas droit à son existence individuelle. C'est une chose! Mais c'est un anti-fairy, c'est... ouais, en j'avoue que son existence est l'anti-quelque chose. Pis c'est un anti-fairy manqué, en plus de ça. Quelle cruauté! C'est un bâtard! Oh! Bob le bâtard! Oh non, non! Save the Bob, save the Bob. Non, ça c'est le mauvais Bob. C'est un Bob là. something requires... Some cash is in a chest requiring a specialist to unlock. Fait qu'on va pas faire le purple chest, le coffre violet, pour aller chercher cet argent-là. Saint-Jarnaqueur, l'ouvreur de port. Hey, ça rend tellement la vie facile, des fois, les flèches d'argent. Puis ça va être la dernière fois que ces runners-là, si jamais ils gagnent, qu'ils vont pouvoir s'en servir pour des ennemis réguliers. Parce ouais, qu'après cette ronde, on passe dans le mode difficile, et dans le mode difficile, les flèches d'argent ne peuvent être utilisées que sur Ganon. Le prochain round de la bottom bracket, dépendant le perdant, je pense que ça va être encore une standard. Ouais, mais je disais s'il gagnait. Ouais, pour le gagnant. Ouais. Ouais, pour le gagnant, ça va être la dernière fois. Non, si jamais le perdant de cette course va se retrouver dans le bottom bracket et va refaire un autre open randomized sword. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Oh, la bombe! La bombe. Elle était proche de du trou, je trouvais. Ah. Tu trouvais pas? Non. Est-ce qu'on a un hammer jump? On a des bons joueurs ici. Oh! Cryptix, il nous fait le hammer jump. Hier, il a décidé de laisser faire. Est-ce qu'aujourd'hui, il va le faire? Ben, ça se peut qu'il l'a laissé faire hier parce que la grande clé était à l'arrière du donjon, me semble. Cette fois-ci, il l'a en main. C'est pour ça qu'il fait le hammer jump. C'était serré. Ouais. Et c'était bien passé. Good job, Cryptix. Je rêve du hammer jump avec zéro buffer. C'est tellement satisfaisant. Mais malgré tout, le monde qu'ils font avec Double Fire, c'est quand même impressionnant, parce que c'est pas facile. Un double pixel perfect, c'est jamais agréable. Est-ce que vous considérez que les open runs sont plus difficiles que les escape? Techniquement, oui. Parce que c'est possible que tu te retrouves sans armes pendant très longtemps. Il y a une situation aussi que l'escape en standard difficile peut être... un challenge, et ça c'est si on trouve la canne de Birna. Parce que la canne de Birna ne te rend pas invincible. Tu peux encore attaquer avec, mais tu n'es pas invincible. Puis la magie coûte vraiment rapide, là, donc c'est... Non, je pense que c'est standard, non, par contre, pour l'escape, il garde une magie normale. C'est ça. Sinon, ça serait pas faisable. En effet. Donc les mythes, et demi-magie. Demi-magie. On est beaucoup, et je veux dire beaucoup, parce que ça débloque les palmes. Je veux dire que Ice Palace et Swamp Palace sont en logique, et il ne manque plus que la canne de Samaria pour le Go Mode. Bon, en théorie, on s'entend que c'est possible, les bots, je le sais, Vaillant. Les bots? Je sais! Non, mais du coup, j'ose croire que là, les mythes vont pouvoir monter dans la montagne, aller chercher les palmes, aller faire tout Hookshot Cave, Ether, Dipera, pourquoi pas. Donc, il y a beaucoup de chances là, que Samaria se trouve sur notre chemin. En plus, Swamp, il y a 6 objets, Ice Palace, il y en a 3. Écoute... Et des indices.
Hey, c'est parce que, ouais, depuis la version 30, maintenant qu'il y a des indices sur les tablettes télépathiques, les tablettes, les telepathic tiles, les tuiles télépathiques, ça a donné une plus grande valeur à Ice Palace. Oh, Vivi, il a de la misère un peu à citer à grand bras à gauche. Il l'a, ouais. Ok, good. Tous les deux qui font le même routing dans ce donjon-ci. On s'entend que l'écart entre les deux, là, c'est... assez rapetissé. Un petit peu. Ouais, assez rapetissé. Je sais pas. Oui, ben la différence, c'est que Cryptix est allé faire la tablette de bonbons, ce que Vivi n'a pas fait, pour un. C'est pas une mauvaise chose. Non, c'est pas une mauvaise chose. En sortant de Swamp, c'est aussi rapide. Ouais. Mais chaque petit check comme ça qui s'avère à être rien, pour un des deux runners, ça va finir par causer un écart. Comme justement quand que Vivi est allé faire la section de Zora. Totalement. Que Cryptix va peut-être aller faire, si jamais... parce qu'il risque d'aller dans la montagne après ceci, pour aller chercher ses palmes et faire les autres checks, probablement Hera également. Il reste de faire les cristals avant d'aller faire Zora aussi, donc Ice Palace et Swamp. Pas nécessairement, c'est toujours dans les airs, comme on sait jamais. Si tu peux go mode Ice Palace et Swamp, ça c'est peut ça. Être exact. Et en effet, Vivi n'est pas allé faire Catfish. Catfish qui a Ether, qui on ne sait pas si c'est encore acquis. Je veux voir Ether dans Totoro Rock. Qui cache les bottes? Comment ça, Ether dans Totoro Rock? Tu dis Ether sur Turtle Rock, pis ça se cache les bottes? Quelque chose comme ça. Ouais. Bah, ça pourrait être Ether dans Turtle Rock, pis Ether... Ah, mais... Non, c'est ça. C'est ça que je parlais. On a déjà trouvé Ether, c'est Catfish. J'ai en train de souhaiter du malheur à Vivi. Pourquoi? Je sais pas. En plus, c'est... Moi, je veux du malheur pour Cryptix. Je veux qu'il soit encore plus serré. En ce moment, c'est vrai. On peut souhaiter un petit peu de malheur pour Cryptix. Ouais, juste un petit peu. Juste un petit peu. Genre... Je sais pas, moi... Un dernier objet sur Trolldorm qui le fait tomber 3 fois? Oh, non. Oh, mais okay. Oui. Non, en oui. tout cas, c'est acceptable. C'est acceptable. Tu sais, Vivi est tombée beaucoup dans la première course... dans la tour des rôles. Si jamais Cryptix se fait la même chose, ben ok, je considère ça égal. Là, Cryptix qui hésitait, là, il allait aller dans son Dark World, puis il a fait non. Il dit, je vais aller ouvrir Totoro Rock à la place. Il y a tous les médaillons. Donc... Ben, il... Ça va plus vite pour aller dans Super Bunny. C'est plus rapide pour aller à Super Bunny puis tout ça, c'est sûr. Ouais. Ouais. C'était le bon choix. Juste, on peut pas contester. Et là, du coup. Il y a une tortue à l'endroit où Vivi, puis je comprends pas pourquoi des fois elle est là, puis des fois elle est pas là. Glitch du jeu, je sais pas. Je me demande c'est quoi ce phénomène. Y a-t-il quelqu'un qui connaît le phénomène? Ah, j'ai rouvert Totoro Rock, moi, à sa place, par contre. Ça coûte pas grand chose pour si on a d'affaires à revenir plus tard. Et là, Vivi qui a un petit peu de la misère sur le Mozart. Fais attention, Vivi. Et là, El Mozart qui a été vaincu à grand flèche d'argent. Donc, 3e cristal pour Vivi. Le phénomène Raven? Peut-être pas, non. Ça existe en France, aussi, cette émission? Je pense que c'est français de base. Je vais pas m'avancer, mais... Hookshot Cave, on va aller chercher nos palmes, on va aller chercher les 4 objets qui nous attendent. Donc, 20 rupies. Un autre 20 rupies. Un quart de cœur. Et le swag net. Merci de me corriger le chat. Et là,
demande si, une fois que c'est pâle, mais est-ce qu'il va aller faire Hera et ta tablette? Ou il va se dire non, c'est totalement inutile? Ben, moi je le ferais parce que justement, tu sais, avec la canne de Birna, elle peut être n'importe où, right? Right. Fait, en pendant temps, que t'es dans la montagne, ça t'éviterait justement de faire une remontée dans la montagne si jamais c'est là. Parce que c'était un des avantages que Cryptix a eu durant leur deuxième match, c'est que ben il est allé à la tour d'Hera de bonne heure, puis il avait trouvé les bottes. Ah, mais en vrai, c'est vrai, tu souhaitais une troisième utilisation de la cape. Oui. Samaria va être dans Shot Cave. Ça pourrait très bien l'être. C'est vrai, j'avais espéré que Spike Cave contenait sa troisième utilisation. Je te donne le pouvoir, Tix. Ben ouais. Et Cryptix, les deux ensemble, trouver la Samaria. En même temps, ça mettrait tellement avantage à Cryptix, puis on souhaitait plus d'égalité, donc... Ouais. Et on a vu du côté de Vivi que... Cryptix trouve le... Coward. Rouge. Mais du côté de Vivi, on a vu que c'était Bombo sur Miss Humeur, fait qu'il n'y aura jamais besoin d'aller à Catfish. Bien sûr, ça, il ne le sait pas, mais... Ça fait qu'il finisse par y retourner, mais ouais. Feels okay. Donc, une Hera, une grosse clé. On n'aura pas besoin d'aller faire la pause Raiwak. Dommage. Ben, en fait, c'est toujours possible, mais... Oh. Yep. Ah, tu vois, j'aime ça de la part de Cryptix. Cryptix a trouvé la grosse clé dans le premier endroit. Il monte tout de suite la tour. Pourquoi? Non, il descend. Il monte tout de suite la tour parce qu'il manque juste un objet pour le Go Mode. Pis si jamais il trouve ces deux objets en montant, il n'y a pas besoin de faire l'arrière. Et là, Vivi, que lui, il va pas ouvrir Totoro. Il dit non. Moi, je passe par là. Non, ça, je sais pas de quoi qu'il parle le chat, là, mais c'est américain, Spike. Ah, okay. Ben. On parle de Buffy, là? Non, Spike, il y a juste. Non, ouais, Spike parlait juste Spike James Masterson. Oh! Oh, le Go Mode à 95% de chance. Ah, oui, à 95% de chance, c'est Go Mode pour Cryptix. C'est bien. Ça veut dire que présentement, c'est une course à l'exécution. Parce que Vivi aussi va le trouver. Il va le trouver dans, je sais pas moi, 2 minutes et demie, 3 minutes. Puis ensuite, ça va être pure exécution dans Swamp, dans Ice Palace, dans Misery Mire. Puis ouais, la ouais. Tu go-mode-tu ou tu go-mode pas? Oui, je go-mode. Absolument, je go-mode. Ouais. Je go-mode, mais je lis les indices s'ils sont en chemin. Parce que, on se rappelle, il y a un indice qui parle des bottes. Effectivement. Donc, si on trouve l'indice, si c'est pas un gros détour, on va aller chercher nos bottes avant de faire la Ganon Tower qui peut sauver relativement quelques minutes. Possiblement. Possiblement. Ça se peut que justement je fasse pas le détour pour aller chercher les bottes, mais je le garde en tête. Parce que les bottes vont te sauver du temps, oui, mais vu qu'on est déjà rendu assez tard dans la scie, ça va pas te sauver une tonne de temps. Puis aller les chercher, ça peut être plus coûteux que de les obtenir. Que comme je disais, pour les utiliser pour le reste de la scie. Et là, Cryptix qui a préparé un spooky glitch. T'es-tu capable de nous parler du spooky glitch? Ouais. Ah ouais, ok, parce que moi je comprends rien du Spooky Glitch. Spooky, voilà, je viens d'en parler. Oh mon dieu. Non. Ok, je vais vous le dire. Okay, t'as jamais fait de Spooky Glitch, mon Raiwak? Non, jamais. Je sais même pas comment ça marche. Récemment, il y a plein des choses que je suis pas capable de faire. Je suis même pas capable de faire le Hammer Jump. Mais ouais, récemment. Non, tu sais faire le Hammer Jump, je t'ai déjà vu, menteur. Non, j'ai jamais fait le Hammer Jump. Quoi? T'as déjà fait du Kinsanity? Oui, j'ai fait du Kinsanity, je faisais tout dans le tour. Tu me surprends. On l'a fait toujours. Je suis paresseux, okay, parce que j'ai pas envie d'appeler les ouais, mais les spooky. Spooky, là, je l'ai fait, là, je l'avais juste vu comment le faire. Puis à un moment donné, en plein milieu d'une race, que c'était ma deux courses, j'ai décidé de la faire la première fois de ma vie, parce que j'avais vu comment ça on le faisait. C'est vraiment facile, faut juste le savoir. Du coup, on flûte à 7. Ouais, 6. C'est ça, on flûte à 6, puis il faut aller en dessous de la roche avant que l'oiseau disparaisse de l'écran. Okay. À ce moment-là, tu actives en mode spooky glitch. Ça crée un bug dans le jeu qui fait en sorte que tu... Bon, ça, je peux pas l'expliquer, mais ça fait un glitch. Du coup, si on n'utilise jamais en rentrant dans... Qu'est-ce qui va désactiver le spooky glitch, plutôt? C'est si on utilise notre Samaria,
si on utilise notre poudre ou si on utilise la lanterne, si je me trompe pas. Un de ces affaires là. Du coup, si on a encore un spooky glitch et on l'a pas désactivé, on peut créer. Il y a un maximum de pixels qui peut être dans un écran en même temps. Donc, si on active soit notre beam de Master Sword, soit on utilise la S-Rod, soit on peut utiliser un coup de botte qui fait de la poudre à terre, qui rajoute un pixel sur l'écran, on peut déposer notre bloc de Somaria sans désactiver le spooky glitch, parce que le bloc ne sera pas considéré comme un pixel supplémentaire à ce moment-là dans l'écran. Donc, le spooky glitch va rester activé. Du coup, si le spooky glitch est activé, du coup... Donc, dorénavant, vous, je poursuis en disant que... C'est ça. Donc, si on fait des fire rods... si on fait des coups de fire rod à certains endroits spécifiques, je pense que nos joueurs le connaissent, et aussi, pas mal le chat, on l'a souvent vu, donc c'est trois endroits spécifiques. Un dessus l'antifée, un dessus le pic, puis un dessus la lanterne, la torche. Ça va activer la switch pour descendre les petits blocs. Mais là, qu'est-ce que Cryptix va faire, là? Parce qu'il n'y a pas les bots, justement. Ice Rod. Ice Rod. Il n'y a pas les Beam Sword à cause qu'il n'y a pas assez de cœur. Mm-hmm. Ah, à l'arc, ça se fait dessus aussi. Ouais, je pense. En notant qu'il y a un pixel qui se promène. Donc, l'arc peut marcher aussi. Faut juste rajouter un pixel dans l'écran avant d'activer sa Somaria. Donc, on rajoute un pixel en tirant n'importe quel projectile. On pose sa Somaria. On n'a pas défait le Spooky Glitch. Ah! Donc là, Fire Rod. Là, on va le faire sur le pic dans la troisième rangée. C'est en ligne, dans le fond, avec la Switch en haut. Fait que, on pense que la Fire Rod s'est rendue. Oh, il a désactivé son Spooky Glitch. Oh. Je pense que l'arc, c'est la première fois que je le vois. Je l'avais jamais entendu. Puis, je pensais que ça pourrait marcher, mais je pense que l'arc ne marche pas. Hmm. En tout cas, si d'autres sont intéressés par le Spooky Glitch, Falcon nous a gracieusement mis une vidéo sur YouTube qui l'explique. Maintenant, Vivi est maintenant aussi entré en Go Mode et a décidé plutôt d'aller faire Mire, lui, il va aller faire Swamp. J'aime ça. Je préfère faire Swamp et Ice avant Mire. Justement, au cas où que tu puisses faire le Spooky Glitch, ben c'est plus facile avec les bots, right? Non! Non! Le plus facile, c'est la Ice Rod. Le pixel est tellement lent que t'as juste envie de la Ice Rod, pis... Oh non! Vivi a lu l'indice « The unique icon with the grumpy fish ». Non! Vivi, résiste aux bots! Résiste! C'est pas les bots! C'est pas les bots, Vivi! Vivi! Non! Donc, encore une fois, on a avantage sur Cryptix, qui va obtenir son cinquième cristal, sous peu, tandis que Vivi va obtenir ben, son cinquième qu'une fois qu'il a fini le donjon. Fait que Vivi va falloir qu'il il se grouille un peu. Gotta go fast! Je comprends pas le sprite à Cryptix présentement. Ben, c'est Magus qui est en train de s'envelopper avec sa cape. Il était de dos. Non, il était de face. Il s'est juste enveloppé de sa cape, tu sais, comme Batman. Ah, ok. Batman. Il met sa cape devant lui, là. Batman n'a pas de cape. Batman a une cape. Hein? Ouais. Oui, Batman a une cape. Va falloir que je réécoute mes classiques. Batman? Ouais, Batman a une cape, je pense. La Batcap. Non. Pourquoi on doit me bannir? Je sais pas. Moi, je t'aime bien. Moi, je te bannis pas. Merci. Il y a juste Raiwa qui peut me bannir. Yeah! I have the power! You got the power! Ok, Cryptix à son tour rentre dans Swamp Palace. Vivi arrive bientôt au boss. Et là, j'ai encore avantage Cryptix. Oui, c'est toujours avantage Cryptix. Vivi, faut qu'il puisse améliorer son exécution de beaucoup présentement, bien que Cryptix fasse une erreur grave. Oh, Vivi fait un petit détour pour aller checker les coffres ici. Si jamais il y a les bots. Si jamais. Un corps de cœur. Non, c'est pas les bots. Mais je pense que Vivi est un petit peu plus à l'aise pour faire les boss rapidement de Swamp et de Ice Palace, si je me trompe pas. Possible, mais Cryptix est beaucoup entraîné ces derniers temps, parce que Vivi, il joue ses matchs, puis c'est à peu près ça.
Il me fait sembler à moi. C'est pour ça qu'on se ressemble. Parce qu'en théorie, présentement, c'est juste la troisième ronde pour Vivier. Parce que Vivier a un bail. Ça veut dire qu'il était automatiquement à la ronde 2. Fait que. Ouais. On s'entend que dans le dernier mois et demi, ça se peut qu'il ait juste fait 6 matchs. Oui, mais écoute, c'est comme le vélo. Ça s'oublie pas. Hein? Ça s'oublie pas. Ça va au Vivier. Mais là, ça va aux bases! Pas toujours bon. Facile de nager contre le courant. Notre cher ami. Argus. 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 Et là, Vivi qui, malheureusement, ne fera pas du one cycle. Non. Un deux cycle. On va utiliser. Quake. Fire out the spin. Très bien exécuté. Oui. Moi, personnellement, je préfère utiliser. Les Silvers, mais il va falloir que je commence à pratiquer les autres méthodes parce que ben, les Silvers vont pas fonctionner si jamais je me rends en Hard Mode. Effectivement, il va falloir que tu pratiques. J'ai déjà vu des tactiques à la Ice Rod, le One Cycle Ice Rod. Oui, c'est ça je suis capable de le faire en fait. J'ai déjà réussi à faire 4 coups d'Ice Rod pour le tuer. C'est tellement beau. Mm-hmm. Vivi décide d'aller à Ice. Ice? Ah oui, pourquoi pas. On va finir par Meyer. Ouais, finir par Meyer. Ouf. Mais en vrai, je peux le comprendre, parce que il y a plus de coffres dans Swamp et dans Ice Palace sur notre passage pour avoir les bots. Contrairement à Meyer, qui a quasiment pas de coffre si t'as un gun Meyer. Mais donc, en fait, c'est faux, parce qu'il y a pas de coffre en chemin dans Ice. Si tu fais Ice en Go Mode, il y a pas de coffre en chemin. Ouais, effectivement. T'as juste le boss. Bon, tu peux aller chercher la Big Key, c'est pas trop long, tu sais, pis les deux Freezers que tu peux tuer rapidement. Ouais, rapidement, mais c'est quand même, faut que tu sortes ton menu, que tu changes pour la Fire Rod, ensuite que tu t'attends qu'il meure, tu ouvres ton coffre, c'est quand même du temps perdu. Pis ça se peut que ce soit juste comme, je sais pas moi, un compas, yeah. Une boussole. C'est quoi la différence entre une boussole pis un compas? Le compas peut aussi avoir un autre nom, ben, ça peut dire une boussole, ou bien ça peut dire... Un instrument de mesure. Pour la géométrie, ouais, c'est un instrument de mesure. Ben, c'est un instrument pour faire des cercles. Ouais, c'est ça. C'est ça. La Cryptix qui vole en deux cycles. Oui. Ah, tu vois, lui aussi, il va utiliser son arc. Non, il prépare un spin. Ah! Non, il utilise son arc. C'est juste une flèche d'argent. Ouais. Il a pogné un Xbox assez étrange. Des fois, sur le côté d'Argus, c'est assez difficile. Mm. Et là, du coup... Je t'ai rendu conscient, hein? Non! Sixième cristal, t'as plus de texte. Non, pas Xbox. Hitbox. Xbox? On veut tellement voir la grosse clé dessus, la torche de Bob. Oh. On le veut! Ben, c'est trop facile! Ça rendrait certainement la course beaucoup plus randomisée. Ouais, c'est une chance qu'il gagnerait si c'était le cas. Mm-hmm. Puis Vivi! T'allais dire du coup! Non! Je suis brainwashé! J'ai rien dit. Les bottes sur la torche? What? Non, je pense pas que c'est possible, Barou. Ah, Vivi qui va pas chercher de coffre supplémentaire, il va directement boss. Il faut. Il sait pas nécessairement où c'est qui est dans la course, fait que. Ça continue comme ça, s'il y a pas de troll, Cryptix, il y a juste à. Comme qu'on dit des fois, il peut juste perdre sa course. Ouais. La Cryptix a perdu sa course ou sinon. Présentement, quand même un avantage d'un meilleur quasiment de différence. Là. Oui. Voyons voir si Vivi va avoir un perfect coaster. Wow. Très joli ça. Wow. Je sais que Cold Stair c'est le boss préféré à Vivi. Comment tu sais?
Je le regardais s'entraîner et puis il faisait juste du coaster. Oh non! Cabin Sour. Non! Ah, fait qu'on n'aura pas des bottes trolls. Fait que même si justement la grosse clé est sur la torche, on sait que les bottes vont se retrouver dans le même donjon. Oh, là c'est dur pour Vivi. Ouais, c'est rare pour Vivi. Vivi qui voulait avoir ses bottes avant la minute 45. Ouais. Mais pourquoi c'est rough pour Vivi? Parce que Vivi va... Même si la clé est sur la grande torche, il va quand même faire le reste de la tour de Ganon pour trouver ses bottes en premier. Fait que... Mais là, nos joueurs n'ont pas de potions, ils ont juste un pot. Oui, ils ont Red Tunic. Ça va être assez dur de mourir dans la Ganon Tower présentement au niveau de nos joueurs, mais ça reste qu'une erreur pourrait donner l'avantage à Vivi. Je sais pas quelle erreur, mais faut faire attention quand même. On n'est pas si loin que ça. Mm-hmm. Oh. T'sais, rien n'est donné. L'avantage cryptique, mais rien n'est donné. Non, non, non. On l'avait-tu à Goldmire? Non. Non. C'était la grosse clé en haut des quatre torches. Quoi? Bon, je me rappelle pas, mais je sais que c'était pas un Godmire parce que les deux premiers coffres, il y avait des clés. Si je me souviens. Cool. Donc, septième cristal, Pokédex. Que veut dire septième cristal, mon cher Awek? Qu'on n'en a pas besoin de 8. Ouais. Non, c'est pas ça. Non. Ok, c'est le temps pour les donjons pendentifs parce que c'est un hall dungeon? Ouais, exactement. Exactement! Voilà, je le savais! Mais ça, ce serait drôle que un misclic de générateur de seed il arrive devant Ganon Tower. Ben, c'est pour ça qu'on se fie au bot plutôt que des personnes. Parce qu'une personne peut faire cette erreur, mais pas nécessairement le bot. Ça serait trop affaire contre Ganon, pas capable de le tuer. Mais tu as raison, c'est le septième cristal. On doit parler d'un certain jeu. Voudrais-tu l'expliquer? Non. Comment ça, non? Parti, attends un peu, faut que je mette un chef, moi, là. Wow! What? Comment ça, wow? Fallait que je commence le jeu, il a pogné son septième cristal. Bon, le jeu de la grande clé. Donc, il y a 22 coffres dans la Ganon Tower. Uh-huh. Donc, il y a une chance dans ces 22 coffres qui va avoir la grosse clé. On va vous inviter d'écrire un chiffre entre 1 et 22. Où va être cette grande clé-là dans la Ganon Tower? Si vous êtes abonné à Speed Gaming français ou si vous avez donné plus que 250 bits, je crois? C'est 250, ouais. Ah, c'est ça. Donc, c'est 250 bits à cette chaîne-ci ou bien un sub à n'importe quel Speed Gaming. Exactement. Mm-hmm. Donc, du coup, vous pouvez participer au jeu. Si vous n'avez pas fait cette donation, vous pouvez quand même participer au jeu, mais vous ne pouvez pas vous inscrire au leaderboard des gagnants, mais vous allez être quand même le gagnant de notre cœur. Donc, du coup. Donc, le jeu est commencé et spammez vos chiffres. Leaderbird. Ah, faudrait que je mette un chiffre aussi, hein. Ouais. Ah, qu'est-ce qui a pas été pris là? Qu'est-ce que ça sert le fun? Si tu veux me battre, moi j'ai marqué 1. Fait que tu peux marquer 2. Y'a personne qui a marqué 2. Y'a personne qui a marqué 2. Ok, 2. Oh non! Je suis cruel envers moi-même. Quelqu'un peut-tu écrire 3, s'il te plaît? Ah, oh, y'a Apo qui écrit 3. Check, Vivi a pas réussi son Spooky Glitch non plus. Qu'est-ce qui se passe avec les Spooky? Il a essayé de l'activer comment? T'as-tu vu? Ice Run? Non. Aucune idée. J'étais un peu distrait à faire des uh-huh. Letterbird! Letterbird. Letterbird? Leaderboard. Mm-hmm. C'est un petit peu différent des Lederhosen, ça c'est ce qu'ils utilisent sur Speed Gaming Deutsch. Donc, Ganon Tower qui s'ouvre pendant que Vivi va se retrouver contre Sylvetrius, donc on est quand même une montée de la montagne de différence, là, quelque chose comme 3-4 minutes. Facile. Oui, facile, ouais. Mais là, est-ce que Cryptic se sent en avance ou en retard? Est-ce qu'il va faire un full right side, un Dark Magician, un Neo Matamune? Une 19 de même? Non, je dois pas. Moi, je me sentirais pas en retard.
Mais c'est contre Vivi, t'es contre le champion de bronze. Le champion de dernier bronze. Champion de bronze. Oh! C'est confirmé. Validé. Mais non, il ne faut pas la flèche unique pour valider une seed. C'est juste un petit jeu qu'on aime dire en tant que commentateur. Mais il y a le coffre de confirmation qu'il faut pas oublier non plus. Donc, Critic s'en va pour le classique. Je m'en vais à droite en premier si je trouve une clé dans les deux premiers coffres. Toi, je pense que Raiwek, tu fais jamais côté droite en premier. Peu importe ce qui se passe. Moi? Ouais. Ouais, je fais tout le temps côté droite si je trouve une clé. Ah, ok. Ah ouais, il y a des moments aussi que justement, tu es comme, ah, j'ai un mauvais feeling pour le côté droit. Ça, c'est généralement quand que je trouve deux petites clés. C'est comme, quand je trouve deux petites clés, ça me tente pas d'aller à droite. Ah, ok. Une petite clé, c'est correct, mais deux, bah. Ouais, c'est ça. Zéro, ben, je peux pas. Un, ok. Deux, Run the room, trois. Donc, coffre numéro 6. Ouais, c'est toujours rien. Là, je peux même pas gagner le jeu de la grosse clé parce que tu m'as influencé. En vrai, j'ai écrit un autre chiffre avant, pis c'était 15! Bah, tu m'aises-tu? Non, c'était 15. Okay. Le gars. Si tu trouves la grande clé, est-ce que tu continues pour aller chercher tes bottes? Non. Parce qu'on sait pas où ils peuvent être les bottes. Les bottes pourraient être dans le coffre de validation juste après Mulder 2. Ouais. On tuera pas Bob, malheureusement. Là, Vivi, il se rend à son tour, à la tour de Ganon. Il a plus les chemins longs. Du moins, je pense qu'il est plus long. 8. 9. 6. 11. Donc, toujours pas de bottes, je veux dire de grandes clés. On cherche les bottes, right? On cherche les bottes! Pas besoin de grandes clés. Non, mais supposons que t'es rendu à la Random Room, puis dans le premier coffre de la Random Room, on trouve la grosse clé. Oui, je vais ouvrir les 3 autres pour les bottes. Mais j'irai pas plus loin que ça. 12. Ah, j'aimerais avoir un gamble de Vivi, genre, that room. Oh! Puis qu'il y a les bottes. Non. La clé. La peau qui me lance en duel. Moi, je ferais pas ça. Vivi s'en va à droite. Faire les deux coffres au moins. On sait pas s'il va continuer. Pour faire des gambles, Vivi! Gambles, Vivi! Non, il fait son chemin classique. C'est correct. Une 22, tu dois te sentir. Ben, tu te sens pas nécessairement retard. Non, mais... tu te sens bien correct présentement. Que tu sais que c'est un temps compétitif, mais les deux joueurs ont comme bien joué cette seed, donc. Ouais. Là, tu sens que Cryptix, là, regarde, là, c'est son cœur bat fort, là. Ah, tu sais, tu vois, la grosse clé. Est-ce qu'il va ouvrir les autres coffres? Non, il prend même pas la peine. Moi, je l'aurais fait. Moi aussi. Tu sais, oui, c'est comme un 8 secondes, mais c'est un 8 secondes que t'aurais nécessairement conservé si jamais tu trouvais les bottes. Mm-hmm. Et là, du coup. Sérieux, il va falloir que je fasse de quoi. I'm Aidez-moi. In your head. Je t'ai ruiné une expression francophone. Gauntlet pour Cryptix. Oui. Ça va bien se passer. Demi-magie, flèche d'argent, plein de flèches. Tunique rouge. Ouais. Une potion bleue que Cryptix a acheté. C'est vrai, il a fait un détour pour aller acheter une potion bleue. Ouais. Donc, faudrait. Je sais pas à quel point c'était nécessaire, mais. Faudrait une chute. Oui, il en faudrait plus qu'une. Ouais, faudrait deux chutes. Ben, une chute dernière phase. Ouais, c'est ça. Une chute dernière phase, puis peut-être une deuxième, là, mais. Mais tu vois que Cryptix, il s'en vient un petit peu nerveux, je trouve, en fait. Tu penses? Ouais, il a fait quelques petites erreurs de mouvement, d'exécution, pis c'est comme, il y a eu des hésitations. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a comme, il y a de quoi qui passe dans sa tête. Ouais, c'est ça, c'est, il prend même pas de chance présentement, là. Il est passé tout de suite à Ether, il va faire quoi? Fire Rod. Oh, splash damage.
Mais ça, ça doit être stressant, là. Tu sais que tu vas te battre pour les quarts de finale, les demi-finales. Ouais. Donc, tu commences à avoir de la pression. Tu sais que Vivi, c'est un adversaire redoutable. Puis là, tu sais que t'arrives vers la fin. Fait que tu regardes le timer, là. Je veux pas avoir done. Puis je suis sûr que n'importe qui a fait des courses, ouais, ils savent bon de quoi que je parle. On a jamais mis le jeu de la clé, hein. On l'a-tu fait? On n'a jamais dit! Fait que c'était 14 la fin! Fait que... qui? 14? Fait que la personne qui a gagné, c'était Allo 41. Parce que ben, c'est 14, c'est son chiffre. Ouais. Hey, les jeux, on est vraiment bons aujourd'hui! C'est incroyable! Ouais, vraiment! Ouais. GG à toi, Allo. C'est vrai qu'on commence très souvent, hein. Ah ouais. Pas besoin de jeu. Vivi s'approche bientôt de sa grande clé. Je me demande si lui va ouvrir les trois autres coffres. Il faut. Mais... Oh! Une shot! Yes! Non! Le gars qui souhaite du malheur à Cryptix. Je souhaite pas du malheur. Je souhaite qu'il gagne, mais je souhaite... Ouais, oui. Moi, ça, tu souhaites qu'il gagne. T'as-tu un billet, là? Je m'excuse, là. Mais... Hein? On faut... Oh! Tu vois, regarde, Pivi va ouvrir les trois autres coffres. Come on! Boots! And... Boots! No way! What a no! What? Mais c'est ça! Go, baby! C'est ta oui! Cool! Gotta go fast! Les bottes vont pas être suffisantes pour pouvoir rattraper Cryptix, mais c'est quand même assez amusant de pouvoir les trouver. Ah, oh, Vivi doit être content de finir sa série de grands coups de bottes. Au moins, il les a trouvés. Mais non, ben... Non, ce sera pas suffisant, là. Je pense pas que... Non, pas à ce point-ci. Il y a pas assez d'endroits où tu utilises les bottes, fait que... C'est peut-être que tu utilises sa potion, mais j'avoue qu'il était bon encore. S'il y avait pas eu sa red mail, il y aurait eu de la misère juste ici. Oh! Mais oh! Vivi? Moi, je parlais de Crypt. Vivi, t'as les bottes! Run! Il est pas habitué, là. Il vient juste les trouver. ça prend un genre de délai quand tu trouves les bottes, là. Surtout que tu viens de faire une série de marcher tout le long. J'avoue. Hey, comment, Vivi, t'as les bottes? Vivi! Hein? Oh mon dieu! Ok, avantage Cryptix. Oh, Vivi! Your God knows! Vivi! Oh non, Cryptix qui tombe à Meltdown 2! Oh! Bah, c'est un petit peu de temps que Vivi peut prendre. Ah, ok, il a réalisé qu'il y a les bottes. Ah, Vivi, il va faire. Oups. I got those. He got those. Peut-être une deuxième shot pour. Même s'il tomberait une deuxième fois, c'est toujours pas suffisant. Vivi est en train d'entamer la deuxième salle de son gant. Troisième salle de son gant. Et il meurt! Oh non. Vivi est mort. Oh mon dieu. Oh non. Non, ça c'est pas rattrapable. Là. Non. Mettez vos F dans le chat pour Vivi, s'il vous plaît. Pay your respects. Ça va coûter le 20$ à Allo. Ah, oh, il est pas en Vivi. Merci. Cryptix s'approche de Aga 2. Vivi recommence son gantlet. Oh là 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 là, ça doit faire mal à Vivi, ça! Donc, ah, ça fait mal, ouais. Deux boules. Mm-hmm. Orbs? Orb! Prends sûr que les orbs, ça, c'est dans Super Mario World. Ça doit être ça. Oh, un autre double, donc 2-2. On est rendu à 4. Non, c'est pas un double, ça. Non. Il reste encore un coup, là. Voilà. Et voilà. Cryptix, tu vois le stress dans lui? Ouais, c'est ça. Envoyez. Vite, faut que je me rende à Ganon, faut que je le batte, faut que je batte Vivi, vite. Ah, amène Ganon ici dans cette salle-là, je me sens mal pour Vivi. Mourir dans le gantelet, c'est ça fait mal. Ça fait mal, c'est une... Ça... C'est indescriptible, ça doit tellement... Ouf, là, il doit faire attention pour une deuxième mort, là. Il est rendu à deux cœurs. Il n'y a pas de potion. Il n'est pas allé chercher la potion sur la torche. Oh mon dieu. Oh, mon dieu. Ok, il y en avait une, ok. Il doit s'en vouloir de ne pas l'avoir pris.
Peut-être qu'il commence sa bataille contre Ganon. Il ne réussit pas le un cycle pour la première phase. Il va tomber en deuxième phase. Ouais, il va tomber en deuxième phase. Il va utiliser sa cape pour... peut-être pas. C'est pas nécessaire. Il est dans une bonne position, mais... fait qu'il le fait en un cycle la deuxième phase. Aucun problème. Il utilise la cape, agrippe le mur, ce qui veut dire qu'il ne perd pas de magie. Donc, phase 3. Ouh, il doit faire attention, là. 3 coeurs et demi, Il peut prendre un coup de Firebat. Ouais. Puis survivre. Deux câlins? Un câlin, je pense. Pas 4 coeurs, un câlin. Beaucoup de warp. On est absorbé par le match, on ne commente même plus, là. Allez, go, go, ah oui, go! Ah oui, critique, lâche pas! Did you find the Arizona Dark World? Oui, il était dans Hype Cave! Prends une flèche. On va faire le bug de la lanterne. Punk son torch glitch. Oh, on l'a pas touché. Oui, il a réussi à frapper un des seuls frames pour pouvoir toucher Ganon. Ça fait du damage pareil, mais ça, sérieux? C'est pas si ça... Oui, ça fait du damage. On préfère sans spin attaque Ganon? Ouais. La raison qu'on le fait en spin attack, c'est parce que il y a 4 frames pendant le spin qui vont toucher Ganon. Puis Ganon, il est seulement vulnérable à 1. Mais ça augmente tes chances. Ouais, ben c'est ça augmente tes chances. Et ça réussit. Critique passe la porte et finit avec un temps officiel de 1h31min7s. GG à Cryptix. Une très belle victoire. Peu très d'erreurs d'exécution. Bien mérité. Des bons choix. Bien mérité. Il a bien mérité cette victoire. Mm-hmm. C'est pas une victoire volée. Il mérite cette victoire. Ouais. Fait qu'on va inviter Cryptix à monter dans le chat avec nous autres. Jaser un petit peu. Jaser ça. Bon, on va jaser ça. Du coup. Du coup. GG Cryptix. Merci aussi. GG. Comment tu te sens? J'ai chaud! Ben, t'as eu du temps pour relaxer un peu, t'es encore chaud, là! Ah oui, écoute, quand je me joins bon pour aller prendre une douche après ça, j'ai dû transpirer toute la sueur de mon corps dans les 15, je te dirais que quand j'ai trouvé ma Samaria, à partir du moment que j'ai trouvé ma Samaria jusqu'à la fin de que j'ai tué Ganon, les mains shakées. Oh là là! J'en doute pas un seul instant. Puis en plus, monsieur qui se plaignait avant de faire la scie, qui avait juste eu 3 heures de sommeil. Mm-hmm. J'ai quand même juste eu 3 heures de sommeil, je vais même me recoucher après ça. Une douche plein de dos. Ah oui, écoute. Mais sinon, la scie, comment t'as trouvé ça? Pas mal mieux. Pas mal mieux. La Aga est un petit peu chiant, mais bon, c'était. Ça fait 2 en ligne qu'on a des Aga et Nagasi. Hier, c'était pour une dame, par contre, c'était pas pour Docker d'Access. Oui. Mais non, sinon, en général, j'ai l'impression que ma route a comme... Il me semble que je trouvais tout ce que je voulais exactement où est-ce que j'allais à chaque fois. Ça a comme tout bien tombé un arrière de l'autre. Ouais, c'était quand même une scie qui pouvait être très linéaire, en fait. Mm-hmm. En effet, si... Écoute, si j'avais skippé Eastern, j'avais un sub... j'ai fait une 30, une 31. Ouais, ça aurait fait un sub, une 30 avec... Eastern qui avait absolument rien, mais... Pour le Dark Road Access, on avait déjà les gaps et la Moon Pearl... Ouais. C'est sûr que Vivi aussi est allé voir Eastern. Mm-hmm. Mm-hmm. Vous avez fait quasiment toutes les mêmes checks au départ. La seule différence, ça serait que Vivi, lui, a aussi fait le fake flipper à Zora. Et Vivi doit faire attention parce qu'il lui reste un cœur. Mm. Oui, Vivi qui a fait Zora et Vivi qui a aussi pris une mort dans la gauntlet. Donc... Ouais. T'avais déjà une avance à ce moment-là, mais ça l'a pas été. Non. Ben, écoute. Moi, la raison, d'habitude, en temps normal, s'il me manque juste un item pour Dark World Access, je vais faire les Fake Flippers. Par contre, j'ai vu les pannes sur l'île flottante qui sont bloquées par les mythes. Mm-hmm. Puis ça enlevait un item du pool possible pour skipper à Ganim. Fait que j'ai dit non, je vais juste faire à Ganim, ça va être plus rapide. Ouais, ben il restait quand même Zora qui était en logique, mais j'avoue que, tu sais, quand il y a juste un des 4 items qui sont là, qui serait en logique, C'était un petit gamble, mais c'était pas... Je te dirais... Non. C'était plus un gamble de faire le Fake Flippers que de pas le faire, en tout cas, je pense. Effectivement. C'était le bon choix à faire, je pense bien aussi. Ça dépend toujours de ton timing de Fake Flippers. Si on est encore au début et t'as pas encore fait l'Eastern, t'sais, Fake Flippers, ça semble comme une bonne idée. Ah, what? Vivi! Oh, Vivi! Vivi qui bat Ganon et qui, voulant se placer proche de la porte en disant les bottes, a oublié de s'arrêter.
Ouais, je parlais avec Vivi dans le chat à la fin de la course, pis il disait « J'ai juste un coup de couper mon cheveu pour pas que le monde voit la fin, c'est juste horrible! » Oh non! Ben, on remercie Vivi, qui est sûrement dans le chat présentement, d'avoir conservé son stream. Merci beaucoup! Merci, Vivi! Mais, quand j'ai vu Vivi trouver les bottes dans le coffre juste à côté de la Vicky, honnêtement, les bottes m'ont quand même sorti d'esprit aussitôt que j'ai vu la torche. J'ai juste... Ah ouais? Fuck les bottes, j'ai juste... Aussitôt que je trouve ma béquille, moi je m'en fous. Ah, excusez. J'ai dit tant pis pour les bottes, je cherche pas autant. Fallait vraiment que ce soit le coffre d'à côté, évidemment. C'était. Ah oui, c'était clair. Mm-hmm. Oh, attention, Vivi! Vivi, s'il te plaît! Ah oui! Oh, Et. RIP. Fait qu'une chute. Qui aurait pu tellement bien être évité, et une mort à Ganon pour Vivi. On vise le sub 2 pour Vivi, là. Et du coup, prochain adversaire, Cryptix, tu vas t'affronter contre Ninban, si je me trompe pas. En effet. C'est... Écoute, je sais même pas comment ça se fait, je suis dans le top 4 du bracket du haut, mais bon, on va prendre ce qu'on a, où ce qu'on est. Demi-finale, monsieur. Quand même. Mm-hmm. C'est-à-dire, ouais, je m'attendais pas à ça parce qu'il va au tournoi, mais j'étais assez content. Écoute, je vais m'arranger pour donner un bon challenge à Ninban. Je crois que ça va être, ça risque encore des beaux matchs si je mets l'effort. Ouais. Ninban, il va falloir. Ninban qui est très fort. Qui est undefeated. Il a aucune défaite depuis le début du tournoi. Ouais. Oui. Écoute, il est sorti prior 2-0, c'est pas rien. On s'entend. On s'entend. Pierre, qui on rappelle aux gens, qui a pris la deuxième place dans le dernier tournoi. Mm-hmm. Donc, je pense que le prochain match contre Ninban, ça reste un match quand même très intéressant. Ton niveau au cryptique, je pense qu'il a quand même évolué. On l'a vu au cours du tournoi. Puis surtout, on peut te comparer avec le dernier tournoi qu'on a fait l'année passée. T'es rendu beaucoup plus compétitif. Donc, je suis presque sûr que ça va être un match fort intéressant, toi, contre Ninban. Ouais, je vais me donner un petit peu de temps pour jouer nos matchs. Puis on va mettre à pratique un petit peu. J'ai un petit peu plus de temps cette semaine. Là. On va s'arranger pour donner un beau match à Ninban. Je te suggère quand même de pas juste s'entraîner avec des cross-keys, là, mais... Non, ça c'est autre chose. Va falloir s'entraîner à Hard, par contre. Parce que oui. Ah, ben, écoute, ça c'est une affaire que je fais déjà. J'ai joué à Hard depuis fait plus que 3 semaines que tu fais ici que je fais à Hard. Oh non! Mon Dieu! Mais... Vous comprenez pourquoi Vivi... Vous comprenez pourquoi Vivi voulait faire son stream? Vivi qui écrit dans le chat. Oh mon Dieu, Vivi! Qu'est-ce qui s'est passé? Vivi qui perd tous ses moyens, c'est incroyable! Ah. Oh là là! J'espère que vous avez tout le monde a mémorisé le text box de Ganon. On est en train de lire en masse! Ouais. Sont où les flèches d'argent déjà? Je pense qu'ils sont dans le Dark World. Oh, Vivi meurt pas encore! Vivi, non, s'il non, te plaît. Non. Vivi a écrit cette fois, elle est la bonne. Fait que okay. Fais confiance à Vivi. Ben, quoique, on s'entend que Vivi voulait couper son stream. Peut-être que cette fois, elle est la bonne, puis c'est là qu'il fait forfait, là, mais... Je pense pas, non. Vivi va continuer. Je pense qu'il y a une petite frustration contre Ganon. Il va s'assurer qu'il meurt, pis ça reste la même. Tu t'acharnes pas 3-4 fois dessus juste pour abandonner à la fin. Exact. Ben, pas moins que tu sois en mode expert. Là, je peux te comprendre. Mais là, ouais. Là, Vivi, là, comment? C'est un trip. Okay. C'est un trip, ça. 1, 2, et... Ah, oh, quasiment. Ah. Il manque juste une flèche. Meurs pas! C'était la même position que tantôt, en plus. Là, il va courir. Check-le bien. Il non, l'a fait. Non, cours pas! Oh, Vivi! Vivi! Vivi m'a déjà avoué qu'il est jamais tombé en faisant des coups de batte comme ça. Ah oh, ouais. Mais... Vivi qui finit avec un temps officiel de 1h38min45s. Mettez vos GG dans le chat. J'ai Vivi. GG. On va l'inviter à nous rejoindre. GG Vivi. Hey GG. GG Vivi. Peut-être ton Ganon, hein? Tout un spectacle. Qu'est-ce qu'il y a mon Ganon? Textbook Ganon. Textbook. Ouais, textbook. La,
La cinquième fois, c'est textbook. Les quatre autres premiers, c'est des pratiques. Ah oui, oui, oui. T'as essayé d'impressionner le chat, OK? On savait tu savais déjà que Cryptex avait déjà remporté. Fait que tu faisais juste montrer quoi ne pas faire. Exactement, exactement. Exactement. C'est de la leçon de vie. Comment tu te sens, Vivi? Ah, c'est correct, là. Ouais. Ça a été... c'est une suite correcte. Il y a eu des problèmes techniques au début de la série qui ont causé des problèmes, mais sinon, après ça... J'ai pas à me plaindre, à part que les maudites bottes t'es encore dans Ganon Tower, mais bon. Ouais, mais au moins t'es a trouvé. Pas chier, mais quand même. Quand même. Ouais. Je sais pas qui s'écrit ici, mais préfère un petit effort quand même, t'sais. Non, non, c'est pas moi. C'est pas moi qui s'écrit ici. Non, c'est un bot. Ouais. Qui a créé le bot? Pas moi non plus, en fait. C'est JC de Speed Gaming. Il fait partie de l'organisation, le top 5 de Speed Gaming. Oh. Ah. Donc là, Vivi, malheureusement, tu as perdu ce best of three. Ça veut dire que tu tombes dans la braquette du bas. Inacceptable. Inacceptable. Rage quit. Donc, prochain adversaire de Vivi qui risque d'être Lin ou Numberplay. Oui, qu'on va savoir d'ici la fin de semaine, en fait. Parce qu'elle a match 2. Oui, la fin de la fin de semaine. Ouais, la match 2 est aujourd'hui, ça va être la prochaine course aujourd'hui. Et le match 3 va être demain, si jamais ça a lieu. En tout cas, GG Vivi, hein. C'était un beau best of 3, je pense. On a des 3 courses, c'est très... c'était des belles courses. C'était très, très serré, je pense. Mm-hmm. Ouais, non, je pense qu'on a donné un bon show, je pense qu'on n'a pas à se plaindre. Yep, je te l'avais dit quand j'ai vu que t'étais en avançant, je t'en donnerais pas gratis ce coup-là. Ah, non! On n'a pas d'avoir gratis non plus. Non! Ça veut dire que tu vas te remettre à pratiquer, Vivi, là? Parce que je pense qu'on aimerait ça te revoir au moins en finale de la braquette du bas. Je vais faire de mon mieux, mais la vraie réponse, c'est probablement pas, parce que je travaille les 3 des 4 prochaines fins de semaine, fait que... Dans les prochains 28 jours, je travaille 26 jours, fait que ça va être... Oups, là, ouais, ça va pas être évident pour la pratique, ça. Ouais. Nope. Mm-hmm. Mais bon, on va faire de mieux quand même. C'est... Je peux donner mon mieux. Sinon, t'as-tu d'autres impressions de la scie? Est-ce que tu regrettes un peu d'avoir fait Flipper jusqu'à Zora? Ou... Est-ce qu'on dit... Ben... Il y avait juste des petites choses comme ça qui faisaient en sorte que Cryptic gagnait un peu de temps. Dernièrement, c'est dans le bout parce que j'ai eu des problèmes techniques. Je faisais juste comme des choses qui me venaient à la tête première avant que j'ai fixé mon router pour prendre ma connexion. Je pensais pas vraiment à ce que je faisais. J'ai juste une excuse que je voulais faire. Est-ce que je l'aurais fait quand même? Je sais pas si c'est vraiment dur à dire. À ce moment-là, c'est... Ma connexion a... Quand ma connexion a buggé, je m'en étais à faire Ice Rod Cave, après ça... Ouais, ça a pris 5 minutes avant que ça revienne, que j'ai réussi à reconnaître le gros. Je faisais juste ce qui passait par la tête, là, mais... J'étais en pilote automatique. Ouais, mais je jouais avec une map, j'avais une main qui était sur mon router, pis... À garder le fil branché, là, c'est comme... Ok, fait que l'autre, j'ai une main sur le router, garder branché, garder ma connexion, je vais jouer la série au complet à une main. Fait que ça, en fond, là, le vrai gagnant, c'est Vivi ici, à cause qu'il jouait à une main tout le long. Non, c'est pas un tournoi à une main, je pensais que c'était un tournoi à une main, moi. Mais si y a une place au moins à jouer en pilote automatique, c'est le début de la série, c'est pas trop mal. Ouais. Au moins, la plupart des choses que tu vas faire vont être assez similaires en général. Ouais. C'est moins big que si t'arrives à la fin dans GT, essayer de jouer une main. Là je t'aurais applaudi. J'aurais peut-être compris la mort aussi. J'aurais peut-être pris des pauses. J'aurais compris les 3 morts sur Ganon. Ouais. C'était ça, il jouait à Ganon à une main. Bon, vous riez de moi, c'est méchant. C'est pour ça qu'il va canceler son compte. Non, t'as réussi à faire Ganon à une main. Oh. Du coup... en tout cas, hey, tu sais ce que je vais faire? Moi, je vais inviter le chat à aller suivre les runners. Mm-hmm. Parce que c'est un bon moment de le plugger. Suivi Cryptic, suivi Vivi. Vivi stream pas parce que justement, il arrête de pratiquer. Je sais pas pourquoi, il travaille trop. Vraiment, trop. Il change de job. D'éditeur complètement à l'intérieur. Suivi Cryptic, lui, il fait beaucoup de cross-key. Ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Et surtout qu'il se pratique beaucoup ces temps-ci à faire du hard mode. Je vais t'inviter à suivre mon co-commentateur, Viant. Je sais pas pourquoi, lui, il stream jamais. Depuis qu'il a été éliminé du tournoi. Mais suivez nécessairement notre trackers, notre femme de l'ombre, Little Miss Arcade. Elle, ça vaut le coup. Vous allez rire à chaque fois que vous allez sur son stream. Je vous recommande de ne pas rire d'elle, par contre. Ouais. Pas une très bonne idée, non? Ça, c'est une moins bonne idée.
Et c'est pas mal ça. Je peux vous inviter à rejoindre notre Discord. Donc, c'est également dans le chat. Venez rejoindre notre Discord à Link to the Bass francophone. On peut vous enseigner comment jouer au jeu. Vous pouvez rejoindre notre belle communauté. On agrandit à tous les jours. Et vous pouvez aussi vous rejoindre au Discord de Speed Gaming français. Parce que si vous n'aimez pas nécessairement Link to the Past, mais vous aimeriez être resté à l'affût pour d'autres tournois qui s'organisent, c'est là que justement on organise les tournois, on rassemble tous les joueurs, on dit « Hey, qu'est-ce que vous vouliez voir? Qu'est-ce que vous voulez jouer? » Personnellement, moi j'aimerais ça lancer un nouveau tournoi d'un autre jeu. Fait que si vous avez besoin d'aide pour l'organisation, je suis là pour vous aider. Merci, mais, Rawek. Ouais, je sais, hein. Je suis bien gentil de même. Moi j'aime incroyable. Ça organiser des tournois. Ah. Fait que ça fait tous les messages. Nos sponsors sont... Non, on n'a pas de sponsors. Je pense. On a de sponsors, c'est Speed Gaming. Fait que assurez-vous de suivre la chaîne. Un petit pot de la fin de vous deux. Cryptix en premier. Ben, merci à vous deux pour avoir fait les commentaries. J'ai bien essayé de regarder la course. Je suis sûr que c'était très, très divertissant. Merci. Bravo à Vivi. Ben, félicitations pour tes trois belles courses contre moi. Puis bonne chance dans la bracket du boss. Pas être défaitiste pour Number Play, mais j'ai l'impression que tu vas affronter Lin, qui est un joueur très très haut niveau, donc ça devrait être des matchs très intéressants, donc bonne chance pour le reste du tournoi. Oh yeah! Ah, un petit mot de la fin, Vivi? Merci à vous deux, là, les commentateurs, au tracker. C'est un plaisir. Puis à mort le bot qui met des bots dans... Mort fait... le bot! Oh, notre première puis notre dernier course a eu les bots dans GT. C'est bien belle fun. Merci beaucoup. Donc nous autres, on va finir ça là-dessus. Le prochain match va avoir lieu dans quelques heures, donc à 3h30 de l'après-midi à l'est du Canada, donc Québec et Ontario, et certaines parties du Nouveau-Brunswick, me semble. Et à 9h30 du soir en France. Donc, revenez dans à peu près 2 heures pour voir Lin versus Number Play, le match numéro 2. Vaillant. Mon cher Vaillant. Du coup. Merci beaucoup à tous, ça a fait un plaisir de commenter. Je pense que Rawek t'as pas mal fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Donc, en j'espère, j'ai une liste là, ici. Là. Ah, ok. T'as tout check? C'est longue la liste. Ouais. J'ai tout check. Ok, parfait. T'as oublié de me remercier, non? Ah, ok. Excuse-moi. Vaillant. Commentateur de mon cœur. Oh. Merci d'avoir co-commenté avec moi. Toujours un plaisir. C'est un plaisir ce... de commenter avec toi, Rawek. Oh, c'est sweet. Sur ce, du coup, bonne journée à tout le monde. On se revoit dans quelques heures. Salut. Bonne journée.